antenne du réseau de télévision 4 saisons. Une épopée sauvage et destructrice. Un prince. Une guerrière aux cheveux de feu. Kalidor, lundi 21h. L'émission qui suit est une présentation spéciale de TQS Sport. Produite par les communications Monstar. Ma source d'inspiration, ça a toujours été mon public. Ça me motivait à les en donner davantage. Le soir où j'ai compté 50 buts, les gens étaient contents, les joueurs étaient contents aussi. C'était pas 50 buts seul. Il va y avoir 5 à 10 000 personnes à l'aéroport. Voyons, il n'y a pas autant de monde. Il y a des échecs dans la vie, des hauts et des bas. Ce qui est important, c'est le résultat à la fin. Beyond, behind the net, check by Melnick, out in front of Corey Score! Retour au jeu, je crois que ça a été l'ultimatum dans les années où j'ai passé. Ça a été quelque chose, peut-être un plus grand défi, peut-être gagner une Coupe Stanley. L'important dans la vie, je crois, c'est de foncer puis essayer de faire de son mieux. Cet hommage à Guy Lafleur est une présentation spéciale du réseau de télévision 4 saisons. De la bière O'Keeffe, la bière préférée des Québécois. Et d'Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette soirée historique en l'honneur de Guy Lafleur. Une trentaine d'années après avoir été la grande vedette du tournoi international de hockey Pee-wee de Québec, ici même au Colisée, Guy Lafleur est de retour devant ses partisans pour mettre un terme à sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Et ce soir, les meilleurs artistes du Québec ont décidé de lui rendre hommage. Alors, sans plus tarder, rendons-nous dans l'enceinte du Colisée. On va rejoindre Gilles Parent, l'animateur de la jungle en folie. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un mot ce soir, nous sommes fiers. Ce soir, au rythme de chansons, d'humour, de musique, nous allons nous unir au monde des affaires pour souligner la carrière d'un des plus grands athlètes du 20e siècle. La brasserie Molson O'Keeffe, le gouvernement du Québec, les charcuteries Lafleur et Petro-Canada sont heureux de s'associer au Nordique de Québec pour rendre hommage à Guy Lafleur. Pendant son périple de plus de 20 ans, qui l'a conduit de Québec à Québec, il nous a fait vibrer. Tel un magicien, il nous a mystifiés à tel point qu'on lui attribue des faits et gestes réels ou imaginaires qui lui collent à la peau et en font, tel James Dean dans la comédie musicale de Luc Plamondon et Michel Berger, un géant, une légende. Pour saluer l'homme, le personnage, et pour nous préparer à l'accueillir, en guise de premier hommage à Guy, mesdames, messieurs, Diane Tell et la légende de Jimmy.
Lafleur. Guy, on est fier ce soir. C'est le mérite, Guy. Guy Lafleur! Les gens du Québec te disent merci, Guy. Jamais, jamais nous ne pourrons t'oublier, Guy. Gêné, mais il en mérite encore plus. Guy Lafleur! Allez, t'asseoir, Guy. OK, on donne la permission. Mesdames, messieurs, Guy.
Guy. J'aimerais d'abord remercier Diane Tell pour avoir chanté. Merci à Diane Tell qui a chanté la légende Tigui, une chanson adaptée par l'équipe de la jungle du réseau Radio Mutuel. Chers amis, la brasserie. Guy Lafleur. Mesdames, Messieurs, la brasserie Molson O'Keeffe a voulu témoigner de son admiration et de sa gratitude à Guy Lafleur pour son courage, sa détermination et sa brillante carrière. J'inviterai M. André Derry, vice-président des ventes de Molson O'Keeffe, à venir offrir à Guy, parce qu'il le mérite, un séjour VIP d'une semaine à Londres au prestigieux Stafford Hotel. Merci, M. Derry. Ce soir, Guy, tous les Québécois ont un peu l'impression de ranger leurs patins au grenier avec toi. Tu nous as tellement transportés et fait rêver qu'on a l'impression de s'arrêter, nous aussi. Au nom du Québec et en notre nom à tous ici ce soir, j'inviterai le ministre de l'Éducation et leader parlementaire du gouvernement, M. Michel Pagé, à te présenter une magnifique publication des monuments et sites historiques du Québec intitulée « Les chemins de la mémoire ». Monsieur Michel Pagé, ce soir, il y a plusieurs personnalités, vous allez l'entendre, vous allez le voir, qui veulent témoigner leur admiration à Guy Lafleur. J'inviterai maintenant mes confrères de la jungle en folie, Alain Dumas et Michel Morin, à venir ici offrir un hommage à Guy. Tout d'abord, on va entendre un hommage d'une personnalité bien en vue. Et mon Dieu, qui n'a même pas besoin de présentation, je le laisse parler. Ici, Marcel Aubu. En tant que président des Nordiques du Québec et fondateur de Guy Lafleur, eh bien, je veux dire que ce soir, c'était touchant de rendre un hommage à Guy Lafleur. Et j'en profite également pour dire une autre chose. Nous aurons un nouveau Colisée. Merci. Merci. Thank you. Merci. Et j'ai eu une très, très bonne idée. Pour le remplir, ce nouveau Colisée, nous fêterons Guy Lafleur avant chaque match local. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Il y a une personnalité dans le monde du hockey qui a joué un rôle important lors du retour de Guy au jeu. C'est un ancien entraîneur, un homme qu'on aime beaucoup à Québec. Et je le laisse tout de suite rendre hommage à Guy. Mesdames, Messieurs, Michel Bergeron. Bon, je pense que c'est bien certain. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, alors, je pense que je suis très ému d'avoir Guy. Bon, tu joues avec moi pour les Rangers. Merci beaucoup, merci. Mais je pense que Guy Lafleur, je pense que c'est bien évident. Guy Lafleur, bon, c'est un marqueur exceptionnel. Je me souviens quand Guy jouait avec les Remparts. Je me souviens qu'il avait fait un tour du chapeau dans une victoire de 2-1. C'est extraordinaire. Et puis, je pense que Guy Lafleur, eh bien, il marquait tellement de buts, c'est extraordinaire. On avait dû installer à l'arrière du filet adverse un feu clignotant. Et puis avant de partir, mon cher Guy, bon, je pense que c'est bien évident, je pense que c'est bien certain, Guy. Puis je pense que c'est bien évident. Puis c'est bien certain. Tu sais, Guy, hier, tu as posé un geste avant la partie.
Moi, je pense que c'est un geste qui était très touchant avant de partir à Montréal. Puis je pense qu'on peut dire une chose maintenant. Il n'y a pas seulement la guerre du Golfe qui est finie, la guerre de Corée aussi. Merci beaucoup. En terminant, quelques mots d'hommage d'un ancien joueur étoile des Nordiques de Québec qu'on a gardé dans notre cœur aussi, Peter Stachny. Ici Peter Stachny, ancien capitaine des Nordiques de Québec et maintenant joueur avec les Devils du New Jersey. Avec les Devils. D'abord, je vais dire, Guy Lafleur, je te dis merci beaucoup. Tu sais, Guy, tu as été l'idole de jeunesse. Tu as été mon idole de jeunesse. C'est vrai. Ce n'est pas tout, tu as aussi été l'idole de jeunesse de mon père. Et l'idole de jeunesse de mon grand-père. Merci beaucoup, Guy Lafleur. Merci. Bonsoir. Alain Dubas et Michel Morin de la Jungle en folie. Merci. J'inviterai maintenant le président d'un des gros commanditaires ce soir des charcuteries Lafleur, M. André Brochu, à se joindre à Guy afin de lui offrir une sérigraphie d'un artiste de chez nous, M. Jacques Hamel. M. André Brochu, merci. La compagnie d'assurance Laurentienne Vie est fière de participer à cette soirée de reconnaissance à Guy Lafleur en lui remettant maintenant une police d'assurance vie d'un quart de million de dollars au bénéfice d'un futur projet du centre hospitalier de l'Université Laval visant à mieux desservir les enfants malades de l'Est du Québec. Pour la remise, j'inviterai le président de Laurentienne Vie, M. Jean-Guy Paquette. Monsieur Jean-Guy Paquette, j'espère à ce moment-ci que vous êtes en voix parce que nous allons chanter ensemble. Il y a une semaine, il donnait pour sa cause, l'alcoolisme et les toxicomanies, un grand coup de cœur. Ce soir, pour Guy, un coup de chapeau. Monsieur Jean Lapointe. Mon cher Guy, toute la joie que j'éprouve de venir te dire aujourd'hui, merci pour tout ce que tu nous as donné à nous, les Québécois, pendant toutes tes années, en tant que joueur de hockey, en tant qu'être humain. Et puis, cette semaine, avec la complicité de mon coparolier, Marcel Lefebvre, on a écrit, on a changé les mots de si on chante ensemble pour te dire tout haut ce que beaucoup de Québécois pensent tout bas. Ensemble, des mots qui nous rassemblent. Si on chantait l'amour, si on chantait la vie, si on ne chantait que pour Guy, si on chantait ensemble, des mots qui lui ressemblent. Si on chantait sa vie, et du fond de nos cœurs. Si on ne chantait que la fleur, l'avenir aux gens d'ici, tant d'émotions, on lui doit bien cette chanson. Il a donné assez de lui pour qu'en retour monte cette chanson d'amour.
si on chantait ensemble les mots qui nous rassemblent, si on chantait l'amour, si on chantait la vie, si on ne chantait que pour qui, si on chantait ensemble les mots qui lui ressemblent. Si on chantait la vie et du fond de nos cœurs, si on ne chantait que la fleur, tout le monde s'il vous plaît. Si on chantait les mots qui lui ressemblent, si on chantait l'amour, si on chantait pour qui, si on ne chantait que la vie, si on chantait ressemble. Si on chantait la vie et du fond de nos cœurs, si on ne chantait que la fleur. Jean Lapointe, merci. Et maintenant, la Société Pétro-Canada, un de nos commanditaires majeurs, désire souligner de façon particulière le dévouement de l'athlète que nous honorons ce soir. C'est à titre de premier président de la Société de gestion des hockeyeurs étoiles et comme joueur pour l'équipe Pétro-Canada des anciens de la Ligue nationale de hockey que Guy Lafleur a contribué à amasser plus de 1 million de dollars au profit de divers organismes d'aide à la jeunesse. Monsieur Michel Desroches, directeur vente au détail marché de l'Est du Québec, lui remet maintenant une sculpture faite d'acrylique unique conçue et réalisée par les artistes québécois de réputation Michel Guyon et Gisèle Mayotte. Merci, monsieur Desroches. Pour souligner encore de façon plus tangible l'implication des Nordiques de Québec dans cet hommage que nous te rendons, Guy, j'inviterai celui qui fut un des membres fondateurs des Remparts et des Nordiques. Il prendra sa retraite dans un mois, lui. L'adjoint au président Affaires publiques, M. Marius Fortier, a te présenté une œuvre du peintre de renom, Claude Le Sauteur. Merci, M. Fortier. Deux hommes qui ont beaucoup fait pour Québec. S'il m'est un privilège que je ne voudrais pas partager avec quiconque ce soir, c'est bien de faire la prochaine présentation. Elle a vécu avec ses enfants dans l'ombre de cette légende pendant toute sa carrière. Ce soir, accueillons chaleureusement en pleine lumière Mme Lise Lafleur et leurs fils Marc et Martin. Une gerbe de fleurs est remise à Mme Lafleur par la charmante Mélanie Aubu. Merci, Mélanie. Légende elle-même, la plus grande voix du Québec. Pour la présenter ce soir, il suffit simplement de la nommer. Comme une amie, elle vous dira l'essentiel. Sur des paroles de Michel Jourdan et une musique de Charles Aznavour, chers amis, la grande dame de la chanson, Madame Ginette Renaud.
c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur. Mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste n'importe pas. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Nous ne saurions terminer cet hommage sans une mise au jeu officielle. Je demanderai à Mme Lafleur, Marc et Martin de bien vouloir prendre place au centre pour cette mise au jeu protocolaire. De Québec à Québec, pour affronter Guy dans cette mise au jeu historique, le meilleur joueur junior en 1971. André-Philippe Gagnon, mesdames, messieurs. J'inviterai maintenant les deux équipes à venir nous joindre sur la patinoire. D'abord, le Canadien de Montréal.
Accueillons maintenant nos Nordiques. Mon cher Guy, tu es inimitable. Et nous savons tous qu'après ces émotions, il te sera difficile de nous parler. Mais pour notre plus grand bonheur, si tu veux bien nous dire quelques mots, mesdames et messieurs, le vrai, le seul, l'unique, Guy Lafleur! Merci. Merci beaucoup. À vous tous, public en or de Québec et du Québec, je veux dire merci de m'avoir donné votre appui, votre enthousiasme et surtout votre amour. Merci. Aujourd'hui, 20 ans après, j'ai le sentiment de pouvoir partir en paix et surtout d'être bien dans ma peau. J'ai porté avec fierté le chandail de trois grandes organisations, mais c'est le Fleur de l'Isée que je porte aujourd'hui dans mon cœur. Je dois tout à mon public, celui de Montréal pour m'avoir soutenu pendant 14 ans, celui de New York pour m'avoir donné la chance d'effectuer un retour. Un gros merci à Michel Bergeron et Phil Esposito. Et surtout, celui de Québec pour m'avoir adopté et gardé dans son cœur pendant toutes ces années. Un merci spécial à Maître Marcel Aubut pour ces deux merveilleuses années que j'ai passées à Québec. Cette équipe des Nordiques, c'est la vôtre et c'est vous qui lui permettrez de continuer à grandir et de demeurer à Québec. Mais il faudra plus que votre support, car je crois sincèrement qu'un nouveau Colisée est indispensable d'ici quelques années. Le présent et l'avenir de cette organisation est entre vos mains, mais aussi entre celles des autorités responsables. Aujourd'hui, j'ai la chance unique d'avoir plusieurs familles. Une grande, celle des Nordiques, pour laquelle je continuerai mon travail. Une plus petite, mais qui occupe toute la place dans mon cœur et sans laquelle je ne serais pas ici aujourd'hui. Mon épouse Lise et mes deux fils, Marc et Martin. Et une très grande, pleine de chaleur, où je suis chez moi partout, le Québec entier. Je voudrais remercier mon père, ma mère, ainsi mes quatre sœurs et leur mari, qui n'ont jamais cessé de m'encourager, toutes ces personnes de Tulsa, ma ville natale, qui ont guidé mes premiers pas dans le hockey.
Je voudrais remercier tous mes coéquipiers et ex-coéquipiers, ainsi que tous les entraîneurs qui ont été pour moi d'une aide primordiale dans le succès que j'ai connu. Car le hockey est avant tout un sport d'équipe. À mes coéquipiers les Nordiques, à tous mes adversaires, aux jeunes joueurs qui font leur début dans la Ligue nationale et à tous ceux qui ont espoir un jour de faire carrière, je vous souhaite la meilleure des chances et je vous dis qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir, c'est de jouer chaque match comme il s'agissait de son dernier. Vous me permettrez de répéter ces quelques mots en anglais par respect pour mes coéquipiers et mes adversaires. To all my teammates, my opponents, to all the players who are beginning their NHL career, and all of those who have the dream to make a professional hockey career, I wish you the best of luck. There is only one way to succeed, is to play each game as if it was your last one. Toute ma reconnaissance enfin à mes amis qui ont bien voulu se déplacer et prendre le précieux temps me faisant l'honneur d'être de cette fête au Colisée en ce jour de Pâques. Ginette Renault, Diane Tell, Jean Lapointe, André-Philippe Gagnon, Julie Masse et le groupe de la Jungle, je vous dis un gros merci. Je quitte un sport que j'adore et qui m'a tout donné. Mais je reste au cœur d'une formidable organisation. Le meilleur est à venir avec les Nordiques. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous tous un tel avenir. D'ici là, ce n'est qu'un au revoir. Il y a tellement de lumière ici, je me demande si une journée je vais retourner dans l'ombre. Bon match et bonne soirée. Merci à Lise, Marc, Martin et Guy. Il y a quelques heures, on lui présentait un disque platine pour son album. En vous disant bonsoir, bon match et merci, je vous prie de vous lever et d'accueillir avec moi Julie Masse qui nous interprétera l'hymne national. Ton histoire est une épopée.
Chevrolet s'est dit que, dans ce monde axé sur les performances, on pouvait aussi préconiser des valeurs sûres. Sont donc standards pour notre Lumina, 4 freins à disque et suspension indépendante aux 4 roues. Ce qui fait que la Lumina établit les normes à suivre dans sa catégorie. La sécurité est une priorité, pas une option avec la Lumina. Les Chevrolet d'aujourd'hui. Sonic Flashers de Majorette. La poursuite commence. Sonic Flashers de Majorette. Chaque item vendu séparément. Vivez l'expérience du Party Superclub dans un tout nouveau décor et en compagnie des meilleurs groupes live. Cette semaine, le Party Superclub vous présente le groupe torontois Tashi. Ce soir, fêtez Pâques en grand, lapin en chocolat offert aux 200 premiers arrivés. Et le party continue. Nous sommes de retour au Colisée de Québec. Mon invité, Maître Marcel Aubu, président des Nordiques. Encore une fois, une soirée exceptionnelle. Les Nordiques ont démontré encore beaucoup de classe. Eh bien, c'était très sincère. C'était une grosse organisation à monter, sauf que c'était à peu près la même équipe qui avait fait rendez-vous 87, donc des gens extrêmement expérimentés. C'était à la mesure de l'homme, Guy Lafleur. On a vu une ovation près de 10 minutes. Eh bien, tout ça pour vous dire que c'était pas exagéré. C'était au moins ça qu'il fallait faire pour l'homme. J'aimerais également qu'on fasse profite de votre présence, faire un petit bilan de la dernière campagne des Nordiques, parce que ça n'a pas été facile. Pas été facile, sauf que de loin, beaucoup plus facile que l'année dernière. Parce que là, il y a de l'espoir. On voit les Lestation, les Fizette, les Sakic, les Lendros qui s'en viennent, les Kaminski peut-être, et tous ces jeunes joueurs qui montent ensemble, les échanges que Pierre Pagé a fait, etc. On voit qu'il est après se former un esprit de corps là-dedans. Et septembre prochain va être une différente histoire de l'an passé. Les Québécois peuvent vraiment avoir espoir maintenant. Et comme Jean Didler le disait tantôt à une conférence de presse, la prochaine décade nous appartient si on fait bien les choses. Oui, justement, comment vous voyez les années 90 au niveau des organisations dans la Ligue nationale de hockey? Ça change énormément. C'est incroyable. Les nouveaux édifices qui ont été bâtis il y a 6 ou 7 ans sont rendus plus adéquats du tout. Ça change très rapidement. On parle maintenant de sections spéciales, on parle de loges de corporation, on parle de concessions, on parle d'accès à l'édifice, on parle de tellement de nouvelles choses. Il va falloir qu'on suive, nous aussi. Montréal a décidé d'abandonner le sacro-saint du Forum de Montréal avec 18 000 personnes comme potentiel et puis s'en aller ailleurs dans un nouvel édifice. Alors, ça coûte pas moins cher à Québec opérer un club de hockey. Ça coûte peut-être même un peu plus cher. Il faudra s'équiper, nous aussi. Mais avec les amateurs que l'on a, probablement les meilleurs au monde, ils ont supporté ce club-là avec 96 % de moyenne durant les 4 dernières années. Je suis sûr que ce sera une parole assez forte pour inviter les autorités à nous supporter. Maître Aubu, merci bien. Bon merci, match. Bonne fin de soirée. Alors, au retour de la pause, la mise en jeu du match de ce soir entre les Nordiques et le Canadien de Montréal. En direct du Colisée à Québec, vous écoutez le hockey des Nordiques à l'antenne de télévision 4 saisons. Fiable pour des milliers et des milliers d'entreprises au pays, fiable des millions de fois par jour, voilà les appareils à traiter le courrier Pitney-Bowes. Cependant, si vous êtes d'avis que les systèmes de courrier Pitney-Bowes sont plus fiables que vos photocopieurs, peut-être devriez-vous nous faire photocopier ce que vous nous faites poster. Pitney-Bowes. Les affaires en connaissent ça. On est au poste depuis le début. Après 3 mois de succès à Paris, Courte Manche est enfin de retour. C'est vrai!
courte manche, en supplémentaire au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 30 avril au 5 mai. On vous en donne plus! Vos concessionnaires Ford et Mercury vous offrent dès maintenant le financement à seulement 8,9% ou des rabais allant jusqu'à 1 000 $. On vous en donne plus! Oui, 8,9% sur les Festiva et Escort, 8,9% sur les Mustang, Probe, Tempo, Topaz et Tracer. Mais ce n'est pas tout! 8,9% sur les Taurus, Sable, T-Bird, Cougar, Aerostar, Ranger et Pickup de la série F. Ford, Mercury, on vous en donne plus! Flower Power, la nouvelle boisson désaltérante énergétique. Flower Power, pour les gens d'action. Disponible en 5 délicieuses saveurs et 2 formats pratiques. 25% de frais jus et une source de vitamine C. Goûtez à Flower Power. Désaltérant. Alors c'est maintenant à notre tour de vous dire bonsoir. Ici André Côté en compagnie de Claude Bédard. C'est le dernier match de la saison régulière entre le Canadien et les Nordiques. Donc, le Canadien qui a une fiche de 5 victoires, une seule défaite contre Québec cette saison. C'est évidemment et bien sûr le 8e et dernier affrontement. Et avant le début du match, ben ça s'est passé avant les cérémonies. Lafleur a tenu à se faire photographier avec ses coéquipiers. D'ailleurs, Claude, si je ne m'abuse, il a demandé aux caméramans et photographes de quitter le vestiaire des Nordiques, histoire de s'adresser à ses coéquipiers avant le dernier match. L'arbitre est Paul Stewart. Les juges de ligne sont Wayne Bunning et Leon Stickle. Et comme à l'habitude, Claude Bédard nous présente les deux gardiens. Alors ce soir, devant le filet des Canadiens, c'est André Racicot avec une fiche de 3,15 alloués. 7 victoires, 8 défaites et 2 matchs nuls. Et son vis-à-vis ce soir sera Round Tugnutt, 4,10 buts, 56e match cette saison, 11 victoires, 29 défaites et 10 matchs nuls. Voilà le président de la Ligue nationale, John Ziegler, qui a donné une conférence de presse une heure avant le début des cérémonies ce soir. Et il a surtout fait mention de l'avenir du hockey en général. Il a également parlé de Eric Lindros. Et John Ziegler a dit les Nordiques s'amènent avec l'équipe de la nouvelle décennie et ils auront définitivement besoin d'équipement supérieur à ce qu'ils ont dans le moment. Il voulait parler d'un nouveau Colisée. Il a dit maintenant nous entrons dans une nouvelle ère. Et Pat Burns, lui, de son côté, tout souriant, il avait hâte que ça commence. Ce soir, son équipe a besoin de gagner encore pour s'amener dans les séries fringantes contre les Sabres de Buffalo. Évidemment, on parlera de l'avantage de la glace en ce qui concerne le Canadien. C'est un élément extrêmement important. Mais pour Dave Chambers, c'est la fin d'une longue saison, une saison difficile qui n'a pas été facile à plusieurs égards. Beaucoup de changements. On a rajeuni davantage la troupe et travaillé dans des circonstances où à plusieurs moments durant la saison, on se demandait si tout était fait en fonction du premier choix à Rick Lindros. Et John Ziegler est revenu sur cette fameuse question ce soir. Il a dit, ce n'est pas une obligation d'avoir Eric Lindros malgré toutes les rumeurs qui circulent dans le moment. Nouveau circuit, l'équipe nationale et ainsi de suite. Il a dit, évidemment, on espère que Lindros viendra à Québec et jouera dans la Ligue nationale. Mais s'il ne vient pas, ben, ça n'affectera pas la Ligue nationale. Elle va continuer. Elle est plus forte que jamais. Et évidemment, on a pu comprendre à travers les propos de Ziegler qu'il ne voulait pas ajouter à la surenchère qui s'exerce présentement autour de Rick Lindros. Pour les amateurs des Nordiques, je vous souligne que, évidemment, Sakic est toujours à la recherche d'un 50e but. Il lui en manque 2. Et mine de rien, Guy Lafleur, hier, a amassé son 12e but de la saison. Et il a rejoint Brian Trottier au 6e rang des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Alors ce soir, un point, un but ou une passe. Et il va devancer Brian Trottier. Et il sera le 6e derrière Stan Mikita. En zone des Canadiens, le match vient de commencer. Belichick à la fleur. Et un tir frappé, c'est Schneider qui s'est interposé avec le bâton. Et la rondelle qui est perdue dans la foule. Et c'est Guy Lafleur qui a donné le premier souvenir aux partisans. Et voilà un qui est très heureux. Souvenir qui vient du bâton de Guy Lafleur sur ce lancer qui a été dévié dans la foule. Et ça a été une longue semaine. Je dirais même un mois très, très long pour Guy Lafleur. Ça a commencé avec cette tournée dans l'Ouest où il a été chaleureusement accueilli. On lui a remis une
plein de cadeaux. Et là, bien, ce soir, bien, ça a été le couronnement avec cette cérémonie, ces témoignages nombreux. Joe Sakic a un objectif ce soir également. Il vise toujours ses 50 buts. Il en a 48 à sa fiche. Alors, Sakic qui reprend près de la rampe, cherche un coéquipier de l'œil, attendu par Shane Corson. Voilà la rondelle qui revient à Goucharov, de l'autre côté vers les Tchèques. Et un tir, bel arrêt de Rassico. Et on ne donne pas de retour. Et qui était là le premier sur le lancé de Vereshchak à attendre le retour, qui a été tout de suite emprisonné par Rassico, Joe Sakic. C'est lui d'ailleurs qui avait amorcé la tentative avec cette passe qui ira jusque du côté de Vereshchak. L'attroupement devant Rassico qui a du mal à voir venir le disque, l'aperçoit la toute dernière fraction de seconde et de façon vigilante, il conserve la rondelle. Sakic était là tout près à sa gauche. Alors on est à 39 secondes en première période. Sakic devant Carbonneau à nouveau. Voilà le rondelle qui longe la rampe. Vermette est dans la mêlée. On l'a rappelé dans les fax. Owen Nolan qui remet. Oh, il a voulu remettre à Sakic, mais la passe manquait de précision. Voilà le disque qui est poussé du côté de Mike McPhee. McPhee s'amène au centre. La passe est courte en avant de Cochon. Ensuite, c'est récupéré par Owen Nolan. Et la rondelle revient sur le bâton de Marc Vermette en territoire neutre. Et il se défait du disque en l'envoyant profondément en territoire des Canadiens. Peter Svoboda, la courte passe à Courtnall, à Svoboda à nouveau. Svoboda qui est au centre décide de pousser le disque à la droite de Toknot. Carbonneau bataille devant Dan Lambert, lui aussi rappelé des citadelles de Halifax. Ensuite une passe qui est saisie par Owen Nolan au centre. Nolan passe arrière à Bolanen. Le tir frappé repoussé par Rassico, il n'y a pas de retour. Ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient après cette pause. Qui porte la tenue de gala ce soir. La cape blanche et le chapeau blanc. On approche de la deuxième minute de jeu en première période. Toujours 0 à 0. Les Nordiques ont deux lancers contre aucun pour le Canadien. C'est Toknot qui laisse le disque à Sean Anderson. La passe vers Tony Urquhart. C'est laissé libre pour Stéphane Morin qui s'amène avec Sundin au centre. Il y a eu une légère confusion entre les deux. Là, c'est Sean Anderson qui cherche à poursuivre l'attaque. Entraîné dans le coin par Leclerc, Sundin reprend, passe devant. La rondelle saisie par Urquhart, son tir ne va nulle part, sinon à gauche du but complètement. Et c'est Sundin à nouveau là, qui travaille dans le coin devant un rival. La rondelle qui est poussée jusqu'en territoire des Nordiques. Est-ce que le dégagement sera refusé? Oui, quand Finn touche au disque. C'est une première période difficile pour Stephen Finn et tous les joueurs des Nordiques et ceux du Canadien également. Longue attente de plus de 45 minutes. Ouais. Une ovation qui a duré 11 minutes et 42 secondes au début du match à l'endroit de Guy Lafleur. Et on n'aime jamais ces longues attentes parce que ça met du temps après à se dégourdir les jambes. Alors la première période sera difficile pour les joueurs des deux clans. Il y avait Guy Carbonneau du côté tout près du vestiaire du Canadien qui a assisté presque à toute la cérémonie et qui a chaleureusement applaudi à plusieurs occasions Guy Lafleur, un ex-coéquipier. Bon, voilà, c'est Tom Chorsky, attendu par Volanen. Oh, belle remise à Walter. Walter est accroché par deux joueurs des Nordiques. Toknot résiste, mais Stewart a sifflé, mais c'est parce que je pense que le filet est non seulement déplacé, mais je pensais qu'il aurait pu y avoir pénalité. Enfin, il y avait matière à pénalité. C'était tout près, avec deux joueurs qui talonnaient Ryan Walter. La passe est belle. Et là, il y avait un trou béant à la ligne bleue. C'est Raglan qui doit faire vite pour revenir sur ses pas. C'est lui, finalement, qui neutralise Walter. Et c'était ici. Il n'y avait pas d'infraction, peut-être, mais aux yeux de l'arbitre Stewart, mais c'était juste en deçà de la loi. Et là, par la suite, il y a eu bousculade entre Tony Twist et Ryan Walter. On abandonne aussitôt la partie. Andrew Cassels devant Mike McNeil. C'est toujours 0 à 0. On recommence à la gauche de Ron Toknot. Voilà Chorsky, la remise à Walter.
Dans le coin, c'est pour Kessels vers Chorsky, mais là, ça manquait de précision. Chorsky a touché au disque, mais avec le patin. Bolarin qui doit travailler avec une rondelle sautillante. Raglan vient lui donner un coup de main. Lui, il est aux prises avec deux joueurs du tricolore. C'est Andrew Kessels maintenant qui cherche un coéquipier de l'œil. Chorsky est bousculé par Tony Twist. Ça permet à Raglan de reprendre le disque. Ça mène au centre avec un relais pour Scott Pearson. Immédiatement arrêté par Sylvain Lefebvre et Kessels devant Goussarov. Bel arrêt de Tognot et le retour s'en est allé à la gauche du but. Voilà Goussarov à Mike McNeil au centre, à Pearson. Pearson qui rejette dans le coin gauche. Premier rendu, Sylvain Lefebvre. Ça permet là aux deux entraîneurs d'apporter des changements. Dave Chambers et Pat Burns. À la ligne bleue des Canadiens, c'est Guy Lafleur. La passe de l'autre côté est récupérée par Sylvain Lefebvre. À Corson, interception de Guy Lafleur. Sakic vers Mykov. À Sakic à nouveau. Loin à gauche, c'est pour Randy Velichek. Hoff reprend derrière à Lafleur. Lafleur qui travaille devant Stéphane Richer, mais là, c'est de Corson à Richer. Belle chance pour le Canadien. Richer lance, il a raté la cible. Et le retour est libre jusqu'à l'intervention de Sakic, mais le disque a été abandonné. Corson vers Strudlin. Belle intervention de Lafleur. Un beau jeu défensif. Sakic remet au centre à Mykov. Rejoint et arrêté par Stéphane Richer. Le Canadien se regroupe dans son territoire. 0 à 0. On approche de la cinquième minute de jeu maintenant. Il y a deux lanciers de chaque côté. Desjardins dans son territoire. Attendu par Sakic. La remise vers Corson. Il est arrêté par Goussarov. Là, Corson reprend. La remise à Richer. Il travaille hors l'aile en zone adverse. Richer s'avance bien. Un lancer qui a été amorti. Et Corson qui se fait voler là par Tognot. Svoboda reprend. Svoboda contourne le filet. Harcelé par Guy Lafleur. Verlischek fait une chute. Marc Vermette cherche à poursuivre l'attaque. Il se présente devant Desjardins. Accélère devant lui, mais le défenseur du Canadien lui a subtilisé la rondelle habilement. Voilà, Vermette qui pousse le disque un peu plus loin. C'est récupéré par Desjardins à nouveau. La passe pour Portnoy a touché un bâton. Coulson maintenant qui hésite devant Sean Anderson. Et son tir a été bloqué par le défenseur des Nordiques. Nolan, il est devant Donald Dufresne en zone des Canadiens. Ensuite, c'est à deux qu'on se dispute la rondelle le long de la rampe. Récupéré par Urquhart. Et la passe manquait de précision pour Nolan. Un dégagement qui est raté par Daigneault, mais de toute façon, il y avait hors-jeu les Nordiques. En direct du Colisée, c'est le hockey à télévision, quatre saisons. Au fil des ans, bien des pièces de votre voiture vous laisseront tomber. Mais un pare-brise remplacé par les experts Lebeau est là pour longtemps. Pour votre sécurité, l'installation est faite selon les normes du fabricant et garantie tant que vous possédez votre voiture. Lebeau, vitre d'auto. Ah ah! Vous feriez l'impossible pour ne pas voir cette brisure dans votre pare-brise. Les experts de Lebeau réparent ces brisures. Et si vous êtes assuré, dans la plupart des cas, ça ne vous coûtera rien. Passez vite chez Lebeau et prévenez un plus gros problème. Lebeau, vitre d'auto. Alors, on aperçoit la jolie Julie Masse qui a interprété l'hymne national avant le début du match. Et aussi, juste avant la rencontre, Guy Lafleur lui a présenté un disque platine qui représente en quelque sorte la vente de 100 000 copies de sa chanson. Alors, et son album, c'est-à-dire, et Julie Masse qui avait ouvert la saison ici en venant interpréter l'hymne national à l'ouverture du calendrier local. Et elle est venue clôturer la saison ce soir. Sundin qui se pointe en zone adverse devant Daigneault. La passe du côté droit à Sean Anderson qui se porte en attaque. Il est frappé par Daigneault. Daigneault lui enlève la rondelle. C'est remis vers Guy Carbonneau. La courte passe à Courtenay. Vers Mike McPhee. McPhee devant Urquhart. La rondelle lui échappe. Urquhart a dû la remplacer Sean Anderson qui avait abandonné sa position. Et la rondelle revient au centre. Elle appartient à Daigneault. La remise à Carbonneau vers McPhee ensuite. C'est Finn là, qui devance Courtenay. Le dégagement est annulé par Carbonneau. Courtenay qui cherche une ouverture vers McPhee, mais il est passé dans le vide puisqu'il était surveillé par Craig Bolanen. 13 minutes 55 encore à la première période. Toujours 0 à 0. Claude l'a dit tantôt, vous le comprendrez. J'ai l'impression que les 45 ou 50 minutes de spectacle vont ralentir les joueurs, du moins pour quelques minutes encore. Schneider dans son territoire à l'origine d'une attaque. La remise au centre pour Lebeau, c'est raté. Voilà ensuite Mike McNeil qui se présente en territoire des Canadiens. Lambert tire, c'est beaucoup trop haut, par-dessus le but.
Et là, c'est Badaboum qui a failli recevoir la rondelle. Dan Lambert n'est pas tellement costaud, mais c'est un jeune joueur qui est combatif, très rapide également. On l'a rappelé, naturellement, il y a des joueurs qui ont été rappelés. C'est son premier match ce soir dans la Ligue nationale. Et suite au dénouement qui a été décevant pour la direction des Nordiques, chez les Citadelles de Halifax, qui sont éliminés des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Alors, on a fait appel à quelques joueurs, y compris Marc Vermette, qui était allé prêter main forte. Mais les Citadelles jouaient sans les services de Claude Lapointe, qui a été un pilier à l'offensive pour cette équipe cette saison. Et en particulier, le gardien Stéphane Fizet, qui est encore à l'écart, qui soigne toujours une blessure. Olanen, la remise au centre à Nolan. Loin à gauche à Minkoff. Il est devant Sylvain Lefebvre. Lebeau a intercepté une passe, mais il l'a perdu. Ensuite, voilà Minkoff dans le coin. Sakic. Sakic s'avance bien. Tir bloqué à la défense. Le retour poussé plus loin, mais récupéré à la ligne bleue par Lambert. Ensuite, c'est la descente de Lebeau. Lebeau vers Gilchrist. Gilchrist n'a plus déjoué Volanen, qui remet ensuite à Minkoff. On reprend aussitôt au centre avec Nolan. Orlel devant Sylvain Lefebvre. Il s'est arrêté brusquement. La passe est interceptée par Schneider en plein devant le but. Et voilà la contre-attaque de Lebeau. Lebeau, juste en zone des Nordiques, il remet dans le coin droit. Il y avait des changements annoncés par Pat Byrne. Voilà pourquoi il est retourné au bas. Verlichek dans son territoire, attendu par Chorsky. Remet en retrait, c'est à Owen Nolan. Ensuite, c'est un disque saisi par Verlichek à nouveau, à Goussarov. Un dégagement jusqu'au centre. Desjardins reprend et refoule à nouveau les Nordiques dans leur territoire. 12 minutes et 10 à la première période. Sakic, la rondelle lui appartient. Ensuite, la passe vers Stéphane Morin. Morin qui veut remettre à Goussarov, mais la passe manquait de précision. Un peu plus loin, c'est Urquhart qui reprend. La remise à Morin vers Sundin. Sundin attire vers lui Desjardins. Remet le disque à Morin. La belle passe à Goussarov et le bel arrêt ensuite de Rassico. Là, la mêlée éclate entre Sundin, qui était tout près du gardien, et Walter. Et là, il a été empoigné tout de suite. On veut mettre fin le plus tôt possible à cette... cet attroupement autour du gardien Rassico. Ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient dans un instant. Ma, anata no megane, hidoi kizu ne. Nikon no lenzu nara, motto nagamochi suru wa yo. Nikon no lenzu wa coating kakkou sarete iru no. Hora, ne? Sugoku yoku mieru de shou? Hansha wo osaeru tokushu coating mo sarete iru no. Sore ni tottemo karui shi, kurabete mite kono ususa. Kondo megane wo tsukuru toki wa Nikon no coating lens. Nikon, le langage de la qualité. Hora, anata no megane. Alors, on va revoir cette dernière éruption de Sundin dans la zone des Canadiens avec la passe du côté de Urquhart et le lancer qui vient de la ligne bleue. Là, devant, Sundin attendait le retour avec Urquhart et Rassico retient le disque dans son rein. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se bousculer. Vous aurez compris qu'il y a plusieurs changements des deux côtés ce soir. À l'un côté, Mike Keane, entre autres, manque à l'appel chez le Canadien. Ils ont été blessés lors du match de ce soir au Forum. Stéphane Morin qui est bousculé par Chorsky, ça permet à Walter de reprendre, mais passe interceptée par Urquhart. La sienne est neutralisée par Dufresne et ensuite, c'est Daigneault qui est attendu par Morin, revient derrière son but. Urquhart empêche momentanément le dégagement, mais ensuite, c'est Walter qui est parvenu à toucher la rondelle et renvoie les Nordiques dans leur zone. Donc, passe au centre à Urquhart. Urquhart qui cherche à s'amener en zone adverse. Passe à Morin qui bataille devant Scruton en plein sur la ligne 2. Et c'est le Canadien qui reprend en possession du disque. Avec Matthew Schneider, la mise au centre. Il s'est coupé par Finn. Finn qui réplique, zone du tricolore, mais son tir a été bloqué par Schneider. Autre lancé, mais dans un angle complètement nul. Et c'est Rassico qui a résisté. Et une rondelle qui est perdue ensuite chez les spectateurs. Il y a 4 lancés par les Nordiques, 3 par le Canadien, mais c'est toujours 0 à 0. Stéphane Richer qui a joué un bon match hier soir, et on n'assiste pas à du grand hockey jusqu'à maintenant. Voilà la mise en échec. Castles qui a été plaqué solidement par Stephen Finn derrière le filet de Ron Tucknut. Je disais justement que
Stéphane Richer qui a joué un bon match hier, première étoile de la rencontre. C'est de bon augure pour les séries éliminatoires. Pat Burns le répète souvent, il a besoin de tous ses effectifs et à leur mieux, bien entendu. Bon, tout de suite après la mise au jeu. Ça c'est. On peut appeler ça un but facile, André. Oui. Scott Pearson s'empare du disque dès la mise au jeu. Et là, on va revoir le jeu. Mise au jeu remportée par les Nordiques dans la zone du Canadien. Pearson s'empare du disque. Il va le lancer. Et là, je pense que lui-même a été un peu surpris. La rondelle qui a déjoué le gardien Rassico. Et en tombant, son lancer qui semble à toucher à sa jambière. Exact. Il a touché au disque. Il a ricoché sur la jambière et le bâton aussi. Alors, c'est le premier but du match, 1-0, les Nordiques. Scott Pearson. Claude, on va confirmer tantôt. Il y a une attaque de Pearson avec une passe interceptée par Verlischek. Les Canadiens se regroupent autour de Mathieu Schneider, attendu par Scott Pearson. La passe du mâchoire en territoire des Nordiques, c'est Gusarov. La remise à Verlischek. Ensuite, à McNeil et à Pearson au centre. Vers Raglan, mais il était très inconfortable pour recevoir la passe. Gusarov, lui, est devant Sylvain Lefebvre, mais entraîné dans le coin par Pearson. Et c'est Lefebvre qui reprend. On est exactement à 10 minutes en première période. C'est 1-0 les Nordiques. La fleur s'empare du disque dans sa zone. La remise à Sakic. Sakic a déjoué Portnoy. La remise à Mykov. Il est devant Desjardins, mais n'est pas allé bien loin. La fleur vient lui donner un coup de main. Hoff qui voit sa passe interceptée par Skoglund. La fleur cherche à lui enlever. Sakic reprend devant, mais quel beau jeu de Peter Svoboda qui a coupé la passe en plein devant le but. McPhee a été arrêté par Dan Lambert en territoire neutre. Voilà, Lambert passe intercepté au vol par Carbono. Carbono s'amène en attaque avec Courtenay, mais intervention de Lambert qui lui permet de récupérer la rondelle à Mykov devant Desjardins. Remise à Sakic. Sakic a déjoué Svoboda et un tir qui a touché, je pense, Mykov qui passait devant le but au même moment. Voilà un tir. C'est repoussé par Asiko. Un beau jeu. Et Sakic est passé dans le vide. La rondelle est passée à quelques pouces de son bâton seulement. Oui, et tout le monde force avec Sakic ce soir qui cherche son 50e but. 8 minutes 55 à la première. 1-0. Le jeu s'anime là, progressivement. Hein. On contrôle la coupe une passe. Il a fait un lancer. Là, il lance. Il a touché l'extérieur du but. Oui, c'est la passe de Volanin. Une passe dangereuse. Le hockey a 4 saisons. Vous revient immédiatement après cette pause. C'est une offre sensationnelle pour une durée limitée. Disponible seulement chez vos honorables Honda. La Civic CX avec la finition exclusive de Honda. Maintenant, à seulement $185 par mois. Ou l'Accord LX de Honda, le summum de leur expérience, pour aussi peu que $285 par mois. Garantie pour 5 ans ou 100 000 km. Parce que, après tout, avec la garantie Honda, le choix est clair. Eh bien, la discussion se poursuit depuis la fin de la dernière séquence sur l'échappée de Courtnall, qui s'est retrouvé dans un angle difficile. La Stewart a de la difficulté à envoyer tout ce beau monde à leur banc respectif. Voilà dans le coin de la patinoire, Carbonneau, Mykov. Carbonneau qui fait trébucher Hoff. Et au même moment, on aperçoit juste au centre de l'écran, Volanin qui sert une passe parfaite sur la ligne bleue, sa propre ligne bleue à Russ Courtnall. Et là, McPhee, lui, qui veut poursuivre la discussion, c'est avec Owen Nolan et en même temps Mykov. Hoff a commencé à dire des choses qui n'ont pas plu à McPhee. Nolan s'est interposé en voulant repousser McPhee. Finalement, tout le monde rentre au banc. Il n'y aura pas de pénalité. Oh, Chambers est furieux. C'est, Voilà, l'ex-entraîneur des Nordiques, Michel Bergeron, son épouse. Michel. Notre confrère, maintenant. Un confrère, oui. Et Michel est assis dans la foule. Il a eu droit à une ovation, justement, avant que commencent les cérémonies. Burns aussi, on l'a vu tantôt, il y a quelques instants à peine, n'était pas heureux de la décision de Paul Stewart de fermer les yeux. 8 minutes 35 à la première période. Les Nordiques mènent 1-0, but marqué par Scott Pearson. On se rappelle tout de suite après la mise au jeu, là, un tir qui semblait très anodin, mais qui a dévié. Stéphane Morin est arrêté au moment où il pénétrait en zone adverse. La rondelle est saisie par Gilchrist. Belle remise à Leclerc, là, qui s'amène une belle charge. Devant pour Lebeau. Lebeau était surveillé par Sean Anderson. Anderson au centre pour Matt Sundin. Sundin, lui,
ramène le disque en territoire des Canadiens. Là, c'est à 4 qu'on se dispute la rondelle le long de la rampe. Finn, Garmorin, le but! Il est refusé. Semble-t-il, je ne sais pas s'il l'a donné ou non. Oui, je pense qu'il l'a donné. Il l'a donné? Parce que il prétend que Morin, donc, ce n'était pas intentionnel. Alors, à 11 minutes et 57 secondes, on va revoir le jeu. Sean Anderson, qui est en possession du disque, le remet à Stephen Finn. Et la passe qui va toucher le patin droit de Stéphane Morin. Racicot est déjoué là-dessus. Ouais, alors, c'était pas intentionnel. Une trajectoire inattendue, mais pendant un moment, j'ai cru que Stewart allait changer d'idée parce qu'on va voir le patin de Morin qui fait dévier cette rondelle et qui permet au Nordique de s'emparer d'une avance de 2 buts. Morin, son 12e de la saison. Morin, Stéphane Morin qui a connu, on se répète peut-être, on l'a dit à Buffalo la semaine dernière, connaît tout un mois de mars. Il a terminé la saison régulière en force, en tout cas. Oui, il a terminé en force et c'est un jeune qui promet beaucoup pour l'avenir. On est très satisfait de lui. Et quand on parle à Dave Chambers et Martin, ils disent même que la plus belle surprise cette année, c'est Stéphane Morin. 7 minutes et 32 à écouler en première période. C'est 2-0 les Nordiques. Là, c'est un dégagement qui sera saisi par Lefebvre à sa ligne bleue. Chorsky. Ensuite, Lefebvre à Schneider. À Lefebvre à nouveau, au centre pour Tom Chorsky, qui est aussitôt rejoint et arrêté par Mike McNeil. Celui-là, c'est Alexis Joussaroff. Il passe vers McNeil. Du jeu décousu, là, depuis quelques instants, entre les deux lignes bleues. McNeil qui va chercher la rondelle dans son territoire, la refile aussitôt à Joussaroff, pendant que Burns complète des changements. Il passe du côté de McNeil, qui fait dévier jusqu'en territoire des Canadiens, autour de Chambers maintenant. D'apporter des modifications à son alignement. Lefebvre, la remise au centre est ratée pour Stéphane Richer. Et on a jugé que Berlichek était en mesure de toucher au disque. Mais là, heureusement, Toknot a donné le disque malencontreusement. Et ensuite, c'est Corson qui fait dévier à la droite du but. Corson qui reprend. Bataille avec Mike Hoff. Là, il est en compagnie de Strudel. Il veut passer la rondelle devant. C'est Toknot qui l'en a empêché. Et là, il y a eu un but, mais on a nettement entendu le coup de sifflet de Paul Stewart. Et là, Stewart ne va pas plaire aux joueurs du Canadien. En direct du Colisée, c'est le hockey à télévision, 4 saisons. Moi, ça me fait rien. Mais si vous utilisez n'importe quelle huile moteur, je donne pas cher de votre moteur. Tenez, regardez celui-ci, par exemple. Un tas de résidus accumulés, hein? Des marques sur les pistons, des pièces qui tiennent pas le coup. Voulez-vous mon avis? Adoptez Valvoline Tout Climat, l'huile moteur qui dépasse toutes les normes de garantie établies par l'industrie automobile. Valvoline, il n'y a rien de mieux que ça. Alors voilà, on aperçoit Martin Lafleur, le fils de Guy, avec sa mère Lise, et le jeune Marc, qui s'est amusé beaucoup avec le bâton et les gants de son père. Et comme le disait Mme Lafleur dans les journaux aujourd'hui, Guy prend sa retraite du hockey, mais il ne sera pas chômeur très longtemps. Il est très occupé avec tout ce qui l'entoure. Stéphane Richer, là, qui a contourné le filet, et ensuite il a voulu surprendre Toknot de l'autre côté, ça n'a pas réussi. La passe à Sakic, Lafleur ensuite, pénètre en zone adverse, passe arrière pour Sakic de l'autre côté à Minecraft, mais beau repli défensif de la part de Shane Corson. Là, il y a eu confusion peut-être entre les deux, Sakic et Hoff, avec un tir qui rate la cible. Lafleur cherchait Sakic, Sakic cherchait Lafleur. Le long de la rampe en zone des Canadiens, c'est Goussarov devant Corson. Sakic, lui, est attendu par Svoboda. Hoff reprend derrière le filet, autre passe à Sakic. Sakic hésite. Devant, c'est intercepté par Svoboda et la rondelle qui poursuit son chemin jusqu'en zone des Nordiques. 5 minutes 30 à la première période. Les Nordiques qui mènent 2-0. Ils ont 7 lancés au but contre 3 pour le Canadien. Daigneault dans sa zone, la remise à Donald Dufresne. Dufresne au centre. Il se contente de pousser le disque en zone adverse. À l'autre bout, Urquhart bataillait devant Guy Carbonneau. Et c'est Urquhart là qui veut se débarrasser de la surveillance de Carbonneau. La passe pour Marc Vermette s'est abandonnée. Lambert avec un dégagement. Et là, quand Dufresne va toucher à la rondelle, c'est un dégagement refusé à Québec. Ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient après cette pause.
C'est une offre sensationnelle pour une durée limitée, disponible seulement chez vos honorables Honda. La Civic CX, avec la finition exclusive de Honda, maintenant à seulement 185 $ par mois. Ou l'Accord LX de Honda, le summum de leur expérience, pour aussi peu que 285 $ par mois. Garantie pour 5 ans ou 100 000 km. Parce que après tout, avec la garantie Honda, le choix est clair. Tout de suite après la troisième période, Michel Villeneuve nous annoncera ce soir, évidemment c'est le dernier match de la saison régulière, le nom des gagnants de notre jeu du match Chrysler qu'on vous a présenté tout au cours de l'année. Alors Michel Villeneuve dévoilera les chanceux qui assisteront à des matchs de finale de la Coupe Stanley cette année, après la troisième période. Pour l'instant c'est 2-0 Nordique, 4 minutes 45 à faire en première période, c'est McPhee qui perd le disque. C'est repris par Courtois, mais il y avait hors-jeu le Canadien à la Ligue bleue des Nordiques. Je regardais Claude les statistiques quand on parlait de Lafleur à un certain moment donné. Tu sais que tout au long de sa carrière, il aura déjoué 125 gardiens de but différents. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est plusieurs. Et quand on est un fin marqueur, j'imagine que les gardiens de but, c'est pas le pire obstacle qu'on puisse avoir si on regarde l'histoire de tous ceux qui ont marqué beaucoup de buts au cours de leur carrière. Il y en a bien sûr qui ont été déjoués seulement une fois par Guy Lafleur, mais il y en a eu 125. Et ses meilleures victimes sont Rogatien Vachon, Daniel Bouchard, Tony Esposito et Jim Rutherford. Rutherford qui fait partie de cette compagnie Computer, qui a demandé une franchise dans la Ligue nationale de hockey. Une passe interceptée, le Canadien qui cherche à imposer son rythme là, ça n'a pas fonctionné, un dégagement, mais cette fois c'est accepté. Racicot choisit de remettre à Daigneault. Daigneault qui transporte la rondelle au centre, pourchassé par Sundin, qui lui a fait perdre la rondelle, mais c'est Donald Dufresne qui veillait derrière lui. Alors c'est lui là, qui a expédié le disque tout à fait à l'autre bout. Une passe vers Sundin, finalement saisie par Sean Anderson. Et la passe d'Anderson a glissé sur le patin de Stéphane Morin. C'est Lefebvre qui vient récupérer rapidement et qui donne le disque à Brent Gilchrist. Gilchrist à Lebeau, en zone des Nordiques. Passe arrière, ça a été raté par Leclerc, mais de toute façon, la passe manquait de précision. 3 minutes 40 à la première période. Hoff a été devancé par Racicot loin en zone des Canadiens. Ensuite, c'est un dégagement de Sylvain Lefebvre jusqu'en zone des Nordiques. Et c'est Kousarov qui vient chercher la rondelle. D'autres changements apportés par Burns, Mykov, passe arrière à Joe Sakic. Sakic s'avance, contourne le filet. Et là, la rondelle lui échappe, cherche à reprendre. En même temps, a donné à Kousarov, mais là, il y avait un jeu de taux. On se retrouve au centre avec Tony Twist qui remet à nouveau en zone des Canadiens. La passe à Andrew Kassel qui revient sur ses pas. Là, c'est Lefebvre qui a perdu. Sakic, à nouveau, contrôle le disque. Une passe pour Mykov, mais c'est Walter qui est venu au tout dernier moment lui faire sauter le bâton. En pensant ainsi, Hoff, là, d'avoir une belle chance de marquer. Avec 2 minutes 50 à faire en première. Sakic à nouveau. J'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de glace ce soir. Oui. Sakic, attendu par Chorsky. Fin de lancer. Voilà le tir repoussé par Racicot. Et il saute rapidement sur le retour. Le hockey à 4 saisons vous revient dans un instant. C'est un fait que Joe Sakic va avoir beaucoup de glace. Il a joué énormément en première période et chaque fois, il essaie de déjouer Racicot dès qu'il a la rondelle et il va d'un tir. Mais malgré tout ça, on le voit encore alimenter ses ailiers. Et pour lui, c'est une fin de saison qui est exténuante parce qu'il a joué énormément. On lui a demandé souvent de jouer au centre de deux et même trois trios dans certains matchs. C'est Mike McNeil devant Skoglund. McNeil est là avec Scott Pearson et Ragland. Et pour le Canadien, c'est le trio de Corson, Richer et Brian Skoglund. 2 minutes et 30 avant la fin de la première période. Voilà pour Lannan, la remise à Pearson qui abandonne le disque au centre. C'est repris par Peter Svoboda.
Richer, lui, s'empare du disque dans son territoire. Voilà, ça mène jusqu'en zone des Nordiques avec une rondelle poussée dans le coin droit. Premier rendu, c'est Mike McNeil. McNeil la passe du côté droit vers Radlin. Il a aussitôt Korsin sur le dos. De l'autre côté pour Randy Verlischek, qui a aperçu McNeil au centre. Belle passe, là. Et McNeil rejette le tout dans le coin gauche. C'est Scott Pearson qui bataille devant le défenseur des Jardins. Ensuite, la passe à Raglan. Il a été retenu suffisamment en tout cas par Pearson pour l'empêcher de tirer au but. La remise à Éric Desjardins. Desjardins devant Verlischek. Il hésite, attend la venue de Richer. Passe arrière à Desjardins, c'est beau. Et un bel arrêt de top notch. Tire fort bien dirigé. Très bien joué de la part de Richer, qui a remis à Desjardins derrière lui pour obliger Tognat à effectuer un arrêt. Et là, au même moment, la défensive des Nordiques a été littéralement confondue. On va voir Verlischek qui descend et recule et voudrait ne pas donner la ligne bleue. Là, les deux défenseurs des Nordiques sont bien postés devant le porteur du disque, Richer, qui vient de sortir Verlischek du jeu. Et au même moment, Volanin, lui, n'a eu d'autre chose que de s'arrêter, de regarder Desjardins décocher le tir bloqué par Tognat. Très beau jeu de la part de Richer. À 2-2, le Canadien qui a réussi à s'emparer du territoire a gagné la ligne bleue. Et Tognat est obligé d'effectuer un bon arrêt. André-Philippe Gagnon, qu'on a aperçu dans l'uniforme, le premier uniforme de Guy Lafleur avec les Remparts, il portait le numéro 4. On a repris à la droite de Ron Tognat. 1 minute 30 à la première période. Toujours 2-0 pour les Nordiques. Berkis qui... contre la rondelle, la courte passe à Sean Anderson. Anderson qui remet à Morin. Morin retenu partiellement par Courtois. Tire de fine bloqué la défense par Degno. Et Degno a conservé dans son équipement la rondelle. Là, il y avait beaucoup de danger de laisser aller une rondelle libre en plein devant le but comme ça. Tantôt, tu parlais des 125 gardiens de but qui ont été déjoués. Voilà la reprise qui nous montre Finn qui a décoché un tir avec une rondelle qui était à plat sur son bâton. Et Jean-Jacques Degnaud, lui, l'a conservé parce que Sundin était là tout près. Stéphane Morin qui a marqué son 11e, son 12e de la saison, c'est-à-dire le deuxième but du match sur des passes de Finn et Urquhart à 11 minutes 57. Oui, en 17 ans de carrière, Guy Lafleur a déjoué 125 gardiens de but, mais je me demande dans la même période combien il est passé d'entraîneurs dans la Ligue nationale. Oh. Oui, ce serait quoi une statistique à compter, celui-ci? Parce qu'il y en a plus de 100, une centaine, de 108 ou 109, je pense, au cours de la dernière décennie. C'est long de dire qu'en 17 ans, on n'est pas loin de 200. Ah ben, il sera bien sûr l'invité de Charles Perrault après la première période, avec son père et sa mère, d'ailleurs. Alors, mais je n'ai jamais vu un tel hommage à un joueur qui prend une retraite, sa deuxième retraite en définitive. Même Willie Mays, qui jouait à New York, une grande ville comme New York, n'a jamais reçu un tel hommage lorsqu'il a décidé d'accrocher son gant et de quitter le baseball. Avec moins d'une minute, plus précisément 50 secondes à écouler la première période. Au Carbono, avec une belle attaque peut-être, la passe à Courtois a été interceptée par Anderson et Finn qui a déclenché une contre-attaque, là, a perdu le disque. Dommage pour lui. Morin reprend. Il se présente devant Dufresne. Urquhart lance. C'est bloqué par Asico. Morin est arrivé avec un instant de retard. Et voilà pourquoi la rondelle appartient à Guy Carbonneau qui n'a d'autre alternative que de renvoyer le tout à l'autre bout dans cette fin de première période. Verlischek au centre n'a plus déjoué McPhee. De Courtenol à Lebeau. C'est dangereux. Un seul défenseur à Courtenol. Et il rate la cible. Le retour appartient à Verlischek. Pourchassé par Lebeau. La remise à Sakic. 10 secondes. Sakic à Vermette. Hors jeu. À la ligne bleue des Canadiens. Donc avec 8 secondes à écouler, on va reprendre en zone centrale. On ne peut pas dire que ça a été une grosse, grosse période, autant pour les Nordiques que pour les Canadiens, même si les Nordiques ont marqué deux fois. Francisco aurait pu bloquer les deux rondelles dirigées par Pearson et Stéphane Morin. Il reste que Sakic a été celui qui était probablement le plus occupé des deux clubs. Il a passé plusieurs minutes sur la patinoire. Alors, avec 3 secondes d'un dégagement en zone des Canadiens, et c'est là-dessus que se termine la première période. Alors, une première période où Racicco a été déjoué à deux reprises par Scott Pearson et Stéphane Morin. Alors, le Canadien n'a obtenu que 4 lancers au but,
en première période et les Nordiques 9 au total. Alors, ce qui fait qu'après une période de jeu, les Nordiques de Québec 2 et le Canadien de Montréal 0. Ma, anata no megane, hidoi kizu ne. Nikon no lenzu nara motto nagamochi suru wa yo. Nikon no lenzu wa coating kakko sarete iru no. Hora, ne? Sugoku yoku mieru de shou? Hansha o osaeru tokushu coating mo sarete iru no. Sore ni tottemo karui shi. Kurabete mite kono ususa. Kondo megane o tsukuru toki wa Nikon no coating lenzu. Nikon, le langage de la qualité. Hora, anata no megane. Moi, ça me fait rien. Mais si vous utilisez n'importe quel vilain moteur, je donne pas cher de votre moteur. Tenez, regardez celui-ci, par exemple. Un tas de résidus accumulés, hein? Des marques sur les pistons, des pièces qui tiennent pas le coup. Voulez-vous mon avis? Adoptez Valvoline Tout Climat, l'huile moteur qui dépasse toutes les normes de garantie établies par l'industrie automobile. Valvoline, il n'y a rien de mieux que ça. Qualité vidéo présente, encore plus de mises en échec écrasantes. Les plus durs frappeurs du hockey, volume 2. Les plus belles mises en échec, plus inattendues. Tout sur une vidéocassette exclusive. Les plus durs frappeurs du hockey, volume 2. En vedette, les étoiles du hockey de tous les temps. De Shore à Orr, de Béliveau à Voici. C'est un voyage dans le temps du hockey. Les plus durs frappeurs du hockey, volume 2. Et les étoiles du hockey de tous les temps. Seulement sur Qualité vidéo, en magasin dès maintenant. Tu as toujours cru, tu l'as toujours su. Le numéro 18, Denis Savard. Ce feeling que t'avais, c'est plus fort que jamais. C'est le feeling du rêve. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Alors, nous sommes de retour au Colisée de Québec. Et mes invités, c'est une partie de la famille Lafleur, Guy accompagné de ses parents, M. et Mme Lafleur. D'abord, Guy, on va parler peut-être un peu de hockey. Est-ce que c'est difficile de se concentrer pour un match de hockey après les cérémonies aussi longues comme on a eu ce soir? Bien, c'est difficile de se concentrer. Oui, c'est difficile. Il y a aussi le fait que c'est mon dernier match aussi qui rend la chose probablement plus difficile. Mais là, tu commences à t'habituer un peu. Est-ce que tu as encore des émotions lorsqu'il y a des cérémonies comme ça? Pas beaucoup. Non? Beaucoup d'émotions. Beaucoup, oui. Oui, beaucoup d'émotions. Les jambes étaient molles, puis beaucoup de palpitations, puis c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Madame Lafleur, on l'a mentionné tout à l'heure, la carrière de Guy a été mouvementée, beaucoup de périodes avec beaucoup d'émotions. Quelle était peut-être la période là, où vous avez senti le plus de sensations dans sa carrière? Dans sa carrière, la sensation, c'est quand il a pris sa retraite la première fois, ça nous a fait quelque chose. Je savais qu'il n'était pas prêt pour sa retraite, puis au bout de 4 ans, quand il est revenu au jeu, on était heureux, puis puis il manquait de... il fallait qu'il revienne au jeu. Monsieur Lafleur, tous les pères de joueurs de hockey rêvent d'avoir un joueur comme Guy. À quel moment vous avez été le plus fier durant sa carrière? Bien là, la fin de semaine qu'on vient de passer, là, ça en est une maudite belle. Puis au point de vue hockey, au point de vue performance sur la patinoire? J'ai bien aimé son junior. Dans la Ligue nationale aussi, mais junior, je ne sais pas. Moi, j'ai l'ambiance qu'il y avait ici à Québec. Puis dans la Ligue nationale, j'ai bien aimé ça. Mais c'est pas la même... Pas la même ambiance. Mais... On n'oubliera jamais ses succès. Non, c'est ça. Est-ce que ça a été difficile pour une mère de laisser aller son fils à 13-14 ans pour Québec, par exemple? Oui, c'était très difficile parce que je trouvais qu'il était jeune pour partir. Puis, je savais qu'il s'ennuyait. Il se téléphonait souvent à la maison, mais on descendait toutes les 2 semaines, 3 semaines à Québec. Puis, faites du compte, il s'en est sorti. Bien, merci bien. Merci, Guy. Bonne fin de match.
Au retour de la pause, Michel Villeneuve nous dit ce qui se passe dans les autres rencontres à l'affiche ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Ce match entre les Nordiques et le Canadien vous parvient en direct du Colisée à Québec. On vous en donne plus! Avec la Tempo et la Topaz 91, vos concessionnaires Ford et Mercury vous en donnent encore plus pour votre argent, car vous devriez débourser des centaines de dollars de plus pour obtenir une Cavalier avec un équipement équivalent. On vous en donne plus! La Tempo et la Topaz vous sont offertes à partir de seulement 9 245 $. Oui, 9 245 $! À ce prix-là, les Tempo et les Topaz s'envolent rapidement, beaucoup plus rapidement. Ford, Mercury, on vous en donne plus! Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas l'incroyable ajustement des Reebok Pump. Flower Power, la nouvelle boisson désaltérante énergétique. Flower Power, pour les gens d'action. Disponible en 5 délicieuses saveurs et 2 formats pratiques. 25% de frais jus et une source de vitamine C. Goûtez à Flower Power. Désaltérant. Et on va danser. Non! Laissez-vous entraîner par Footloose, samedi 6 avril, 19h. Mon journal de Montréal, c'est chaud. C'est frais. C'est politique. Ma clique. Ça se voit, ça me rend complètement cinéma. Ça roule. Ça me renverse. Il y a de l'action. Oh. Dans la zone adverse. Mon journal de Montréal, c'est du sport. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Mon journal, je le vis. Après une période de jeu au Colisée, c'est 2-0 les Nordiques. Et des 8 autres rencontres au calendrier de la Ligue nationale en cette dernière journée d'activité, 2 ont vraiment de l'importance. Le championnat de la division Norris et le trophée du président remis aux champions de la saison régulière sont en jeu ce soir à Saint-Louis et à Chicago. Tout d'abord au Stadium de Chicago, les Hawks n'ont besoin que d'un match nul face aux Red Wings pour s'assurer du double championnat. Et le défenseur Doug Wilson procure les devants aussi avec son arme favorite, le tir frappé, qui va passer sous le gant de Glenn Hanlon, un véritable boulet. En début de deuxième période, c'est 1-0 en faveur des Blackhawks. À Saint-Louis maintenant, les North Stars du Minnesota, qui ont empêché Chicago de sabler Champagne hier, tentent de jouer le même tour aux Blues. Et harcelé par Dave Gagné, Stevens voit sa passe interceptée par Brian Bellows, qui déjoue Vincent Riendo pour son 35e. Menotté en première période, Brett Hall nivelle les chances en deuxième en plaçant un dur lancer frappé entre les jambières de Brian Hayward, un 86e pour Hall. Et en début de troisième période, jeu de puissance des Blues, Hall repère Dan Quinn dans l'enclave. Le jeu est parfait, 2-1 Saint-Louis, c'est la marque vers la fin de la rencontre. En fin d'après-midi à Calgary, une victoire des Flames par la marque de 5-3 sur les Kings. À Boston, vers la fin du match, les Bruins devancent les Whalers 5-3. À Buffalo, en troisième période, Washington tire de l'arrière, 3-2 devant les Sabres. À Madison Square Garden, les Rangers devancent les Pingouins 3-2. C'est l'égalité à East Rutherford. C'est plutôt les Islanders qui mènent, 3-2 sur les Devils avec un doublé de Randy Wood. Enfin, à Edmonton, c'est 3-1 les Oilers sur les Jets. C'est en deuxième période. Nous vous rappelons que le hockey à télévision 4 saisons se poursuit dans un instant. Au centre de service automobile garantie Goodyear, on pense que l'auto, c'est fait pour rouler longtemps. Quand vous confiez la vôtre au technicien Goodyear, il n'y a pas de zigonnage. Si un bobo, il le trouve vite. Ça, c'est des injecteurs encrassés. Toutes les mises au point Goodyear sont garanties pour un an. N'oubliez pas votre garantie, madame Ozo. Tout le monde devrait aller chez Goodyear. C'est vrai qu'il n'y en a pas de zigonnage. ま、あなたのメガネ、ひどい傷ね。ニコンのレンズならもっと長持ちするわよ。ニコンのレンズはコーティング加工されているの。ほら、ね、すごくよく見えるでしょ。反射を抑える特殊コーティングもされているの。
それにとっても軽いし、比べてみてこの薄さ。今度メガネを作るときはニコンのコーティングレンズ。ニコン、le langage de la qualité。ほら、あなたのメガネ。Pour nous, réussir, c'est une question de fierté. Et à titre de commanditaire principal, Ultramar apporte tout son appui aux jeunes athlètes québécois lors des Jeux d'hiver du Canada 1991 à l'île du Prince-Édouard. Le Harfang des neiges a pris son envol et on le reconnaît de plus en plus à la grandeur du Québec. En son honneur, voici un vin tout à fait remarquable, le Harfang des neiges blanc ou rouge. Le Harfang des neiges, un vin aussi à notre image, franc, loyal, expressif, même au froid. Le Harfang des neiges, un vin au goût des Québécois. Avec Jacques Demers maintenant, le sujet de conversation, c'est bien sûr Guy Lafleur, de son charisme. J'aimerais que tu me parles d'un peu de l'héritage qu'il va laisser au Nordique de Québec. Bon, disons ce que j'ai vu depuis un mois et demi, Vancouver, Calgary, Los Angeles, à travers les États-Unis et le Canada, sûrement que les Joe Sakic, Curtis LeSession, l'avenir des Nordiques, Owen Nolan et Matt Sundin vont bénéficier de ce que Guy Lafleur a apporté dans cette équipe, le charisme qu'il a apporté, sa loyauté vis-à-vis ses coéquipiers, alors ils vont bénéficier dans le futur. Mais est-ce qu'un instructeur peut en profiter pour récupérer cette situation-là et un jour motiver d'autres joueurs? Je pense que Chambers a déjà commencé dans le cas d'Owen Nolan. Je pense que Guy a laissé un très bon message ce soir aux jeunes joueurs de toujours donner le maximum. En somme, il dirigeait à ses futures grandes vedettes de cette équipe, entre autres Eric Lindros qui va venir jouer ici, Kaminsky. Alors, chaque fois que tu portes une paire de patins, tu fais comme Guy Lafleur, tu donnes le maximum de toi-même et tu vas réussir. Si on parlait maintenant de ses qualités athlétiques, c'est un homme, un grand homme, mais aussi au niveau du hockey, c'est un super joueur d'hockey. Quelles étaient ses principales qualités? Écoute-moi, j'ai jamais vu une chose semblable. Je fais 18 ans, je fais du hockey professionnel à part de cette année. Je pense que c'est sa force et son de caractère et sa détermination. Il y a plusieurs joueurs dans la Ligue nationale des années que Guy a joué et maintenant aujourd'hui qui ont peut-être plus de talent que Guy Lafleur. Mais Guy Lafleur, lui, était déterminé. Il allait au filet avec une force incroyable. Réjean Houle lui passait à travers du filet s'il fallait. Guy Lafleur avait ce don. Il avait du talent. Mais il n'est pas mis au monde avec un talent extraordinaire comme Wayne Gretzky. Il s'est créé ce talent à cause de son travail quand il était à Turceau. Mais Guy Lafleur, c'était un joueur de caractère qui détestait perdre. Je te mets un peu sur la sellette. Est-ce qu'il y a un joueur présentement chez les Nordiques qui pourra prendre sa place un jour? C'est encore un peu trop tôt. Je pense que prendre la place de Guy Lafleur, c'est quasiment à pas y penser. Définitivement, Joe Sakic va prendre la relève de l'équipe. Heureusement que les Nordiques vont garder Guy Lafleur dans l'entourage de l'équipe. Je crois que Dave Chambers a le caractère pour accepter Guy Lafleur dans l'entourage de l'équipe. Il y a bien des entraîneurs qui n'accepteront pas parce qu'il est très fort, Guy Lafleur, mais ça va aider les jeunes joueurs. Et une chose, Charles, en parlant avec Guy Lafleur, il veut définitivement avoir du temps à passer avec Eric Lindros et ça va aider définitivement Eric Lindros. Merci, Jacques. Et à l'an prochain? Ben oui, Charles, merci beaucoup. J'ai bien apprécié de travailler avec toi. Merci, Jacques. Au retour de la pause, la mise en jeu de cette deuxième période du match entre les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal. En direct du Colisée à Québec, vous écoutez le hockey des Nordiques à l'antenne de télévision 4 saisons. Les neiges a pris son envol et on le reconnaît de plus en plus à la grandeur du Québec. En son honneur, voici un vin tout à fait remarquable, le Harfang des neiges blanc ou rouge. Le Harfang des neiges, un vin aussi à notre image, franc, loyal, expressif, même au froid. Le Harfang des neiges, un vin au goût des Québécois. En primeur, à télévision 4 saisons. Il existe en chacun de nous le goût de l'aventure. De la haute voltige. Le plaisir d'une toute autre gastronomie.
Le désir de vivre des sensations fortes. Un homme parmi les loups. Qui fut le premier arrivé, Honda ou l'Allier? Après 15 ans et plus de 50 000 Honda livrés, l'Allier Honda vous offre la Civic à partir de seulement 50 $ par semaine. Honda, la petite affaire chez l'Allier. Depuis le début, j'ai deux amours. L'Allier et ma Honda. Maintenant, l'Allier Honda vous offre l'accord à partir de seulement 75 $ par semaine. Honda, la bonne affaire chez l'Allier. Ce n'est pas du sport. Heureusement, il y a maintenant un traitement efficace. Le nouveau Tinactin Plus à triple action. Ça marche! Alors, on est de retour au Colisée de Québec. Voici une banderole qui indique bien que ces gens viennent probablement de la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean, surtout. Lac-Saint-Jean, oui, surtout. Du Lac-Saint-Jean. Ah, bon. Oui. Il y a une différence, hein? Ah, oui, il y a une grande différence, oui. Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, d'ailleurs, les gens là, qui habitent dans cette région le savent très bien. Et lorsqu'ils entendent les visiteurs confondre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, on s'empresse de rectifier. Alors, en première période, seulement 4 lancés par les Canadiens. Évidemment, le Canadien, tout comme les Nordiques, sont sautés à froid sur la patinoire. On devrait assister à des meilleurs moments au cours de cette deuxième. Oui, en espérant que les deux équipes se sont dégourdies les jambes un tout petit peu au cours de la première période. On a une attaque menée par Joe Sakic. Il a eu un seul lancer au cours de la première période. Lafleur a feinté, remet à Sakic ou un tir dans un angle restreint, mais vous avez noté qu'il n'a pas hésité. Tout de suite, il a lancé. Et ça, c'est un conseil de son bon ami Guy Lafleur qui lui a souvent dit, non seulement l'an passé, mais cette année aussi. Il faut lancer. Il restera à Joe Sakic d'aller participer au championnat du monde. C'est une troisième année d'affilée pour lui, sans participation aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Ça lui manque énormément. Il en parle souvent. Il en a de nouveau parlé au cours des derniers jours. Et il a hâte de voir son équipe gagner. Est-ce que ce sera pour l'an prochain? Tout le monde ici à Québec l'espère, en particulier les dirigeants de l'équipe, Pierre Pagé surtout, et Dave Chambers. Lafleur après la mise au jeu. O'Leary passe. Ensuite, ça revient sur le bâton de Lafleur. Son tir a dévié sur un patin. Sakic reprend. En retrait, c'était pour Lafleur, mais il y avait quelques joueurs qui lui compliquaient la vie. Et ensuite, c'est une sortie de zone de Brian Scourville, 2-1. Scourville est riché et le tir à bout portant, repoussé par Tognot. Goussaroff remet au centre. Voilà une belle opportunité ratée par le Canadien. Peut-être la meilleure jusqu'à maintenant depuis le début du match. Oui, il y avait Richer là, de l'autre côté qui était complètement débarqué, qui attendait la passe qui n'est jamais venue. Mais Scourville était en bonne position lui aussi pour marquer. Sauf que quand on a Richer du côté droit, on est à une minute en deuxième. 2-0 les Nordiques. Voilà Verlischek et Carbonneau. Les deux bâtons se sont touchés. La rondelle est perdue dans la foule chez les spectateurs. Alors, on va devoir reprendre en territoire 2. Chambers a 13 points de plus que l'an passé avec son club cette année. Ouais, avec une équipe rajeunie, André, et c'est ça qui est intéressant. Et du côté des Canadiens, ben, Pat Burns aussi a connu une excellente saison. On se pose beaucoup la question à savoir qui sera l'entraîneur de l'année. Et il y a tellement de bons candidats cette année. On mentionne souvent les noms de Mike Keenan parce que son équipe est en première place. Il y a aussi Bob Johnson à Pittsburgh qui a fait de l'excellent travail. On pense à Pat Burns également avec le Canadien qui a eu à souffrir l'absence de plusieurs joueurs blessés au cours de la saison. Alors, Tom Webster avec les Kings de Los Angeles ici. Je pense que les trois premiers sont les candidats les plus susceptibles de remporter ce trophée. Oui, il y a Brian Sutter. Brian Sutter à Saint-Louis qui a connu une bonne saison également. Oui, sauf que le prof Caron lui a amené des joueurs qui font qu'il a une bien meilleure équipe devant lui. Ben, si tu veux avoir du succès, ça prend des joueurs sur le patinoire. Oui. Attaque de Carbonneau. Il est devant Volanen. Là, c'est Urquhart qui a repris la rondelle abandonnée par Carbonneau. Simple dégagement jusqu'au centre. C'est Lefebvre qui contrôle le disque attendu par Morin. Une passe pour Carbonneau. Ensuite, c'est Lambert qui reprend. Abandonne lui aussi au profit de Ross Courtnall. Courtnall est de retour en zone des Nordiques, mais il n'est pas allé bien loin. Lambert
qui remet dans le coin droit. Premier rendu, c'est Morin. La rondelle lui échappe. Il reprendra en territoire neutre, mais ensuite, il s'est fait voler le disque par Courtenol et il reprend dans son territoire. Voilà De Finn jusqu'à Matt Sundin. Sundin en territoire des Canadiens, se retrouve dans le coin. Il revient sur ses pas. Là, il a déjoué Courtenol. Une passe pour Mike McNeil. McNeil est harcelé par Lefebvre, qui l'entraîne dans le coin. Et ensuite, ça permet à Lebeau de reprendre possession de la rondelle. La remise à Courtenol qui a hésité un moment. Là, il fonce de la zone adverse et renvoie le disque jusqu'à derrière le filet de Ron Pocknock. Le long de la rampe, c'est Leclerc qui bataillait devant Pearson. Intervention de Stephen Finn qui a remis à Sean Anderson. De l'autre côté, c'est Raglan qui reprend. La passe à Sean Anderson. Il est installé derrière Pocknock, attendu par Brent Gilchrist. On est maintenant à 3 minutes en deuxième. 2-0, les Nordiques. Un dégagement. Aussitôt choisi d'intervenir, c'est Donald Dufresne ensuite qui remet du côté de Leclerc. Leclerc, la passe par la rampe à Lebeau. Lebeau a été stoppé par le juge de ligne, Wayne Bonnet. La rondelle qui poursuit sa course jusqu'en territoire des Nordiques. Dégagement ensuite réussi par Finn. Et il y a Pearson qui s'en va seul. Il lance et Aussitôt qui résiste. Voilà, c'est Aki qui va chercher le disque dans le coin. À Pearson, autre lancé, un deuxième. Et Aussitôt qui résiste. C'est Aki qui a fait une chute. Sa passe demeure libre jusqu'à l'intervention de Daigneault. Daigneault qui voit une belle ouverture devant lui. Va s'amener jusqu'en zone des Nordiques en remettant à Leclerc. Et la frappe, c'est-à-dire foudroyant, qui est passée à la droite du but. La rondelle est venue se poser sur l'extérieur du but. En direct du Colisée, c'est le hockey. À télévision, 4 saisons. Hoki vous offre le Québec de la chasse et de la pêche. Avec ses films inédits, les nouvelles soirées chasse et pêche O'Keeffe vous invite à vivre l'aventure avec Louis Palala, Tex Lecor et Guy Lafleur. Venez rencontrer vos guides Yvon Crevé ou Yvon Nadeau. Offrez-vous le rêve et le plaisir. Les soirées chasse et pêche O'Keeffe, soyez-y pour le sport et l'aventure. Alors, les deux défenseurs du Canadien se fient l'un sur l'autre, Dufresne et Daigneault. Pearson en a profité pour s'emparer de la rondelle et s'amener seul ou presque devant le gardien Aussitôt, qui a bien résisté. Une qualité de Pearson. Il n'abandonne jamais la partie, cherche toujours à compléter son jeu. Et on l'a vu justement dans la dernière séquence, profiter d'une autre occasion. Et encore une fois, c'est Aussitôt qui a résisté. En territoire des Nordiques, c'est Svoboda qui maintient le disque là. Andrew Cassens a été arrêté par Bolanen. Owen Nolan reprend. Passe à Vermette. Vermette qui cherche sa kick, mais là, il pénètre en zone des Canadiens. Pousse la rondelle dans le coin droit. Svoboda qui bataillait devant sa kick. Ensuite, c'est Nolan et Chorsky. Et Walter reprend avec une remise à Éric Desjardins. Desjardins tire de loin. La rondelle a dévié sur Twist. Ensuite, c'est Chorsky. Belle passe à Peter Svoboda. Le tir de Svoboda est coupé par sa kick. Mais dommage pour lui, il a été retenu légèrement par Svoboda et il y a eu une rapide réaction de la part de Desjardins. Walter, Andrew Cassels, il lance et la rondelle est passée par-dessus le but. Mais Cassels a mis un peu de temps et il voulait contrôler parfaitement la rondelle. Et au même moment, ben, Twist a pu le rejoindre. Vermette à sa kick, vers Vermette, le but! Belle passe de sa kick là-dessus et encore, Desjardins n'est pas fier de lui. Il a été déjoué et la passe de Saki qui est rentrée sur le bâton de Marc Vermette. Il parvient à déjouer. On revoit le jeu, on voit Desjardins qui suit la rondelle des yeux et là cherche à rejoindre Saki qui parvient à remettre à Vermette devant. Et là, là aussi, on l'a abandonné Vermette pour lui permettre de s'approcher librement devant le gardien Aussitôt. Svoboda qui revenait sur ses pas. Alors à 4 minutes et 43 secondes, c'est un troisième but pour les Nordiques. Celui de Vermette. Alors c'est maintenant 3-0 pour les Nordiques. Tony Urquhart en zone et la passe à Lafleur vers Mikhoff. Là, Lafleur qui va reprendre dans le coin. En plein devant lui, il n'y avait absolument personne pour recevoir. Et Schneider qui reprend, réussit la passe à Skoglund vers Corson, mais là ça manquait de précision. Off vers Tony Urquhart, il est seul. Il lance, Aussitôt résiste. Et c'est Lefebvre qui s'empare du retour avec une remise à Stéphane Richer. Richer accélère là jusqu'en zone des Nordiques. Richer décide de lancer, c'est repoussé par Tocnot et le retour appartient à Kucherov.
Passe qui est ratée pour la fleur, mais la rondelle va néanmoins filer jusqu'en zone des Canadiens. C'est la première fois cette saison que, entre ces deux équipes, que je vois autant de surnombre accordé aux Nordiques. Depuis le début du match, on a assisté à 4 échappées des joueurs des Nordiques. Richer, jusqu'en territoire des Nordiques, il remet dans le coin. C'est Valischak à la poursuite du disque. Pendant que le Canadien procède à des changements au complet, passe au centre, Daigneault reprend, il est attendu par Sandin. Ensuite, c'est Morin qui rate sa passe pour Tony Hercus. La rondelle, finalement, saisie par Donald Dufresne. À Daigneault, vers Contenor, c'est raté. Valischak en profite. La passe, la sienne est ratée pour Hercus. Et ça va longer la clôture en zone des Canadiens jusqu'à l'intervention de Daigneault. Ensuite, Sean Anderson qui refoule à nouveau le Canadien profondément dans son territoire. Le Canadien qui éprouve beaucoup de difficultés à se regrouper, à s'organiser. Anderson vers Morin. Une belle opportunité. Très beau jeu de Sean Anderson, mais la passe, la longue passe qui a été coupée par Sean Anderson à sa ligne bleue. Tout de suite à l'autre ligne bleue, le jeu est très ouvert. Alors les Nordiques ont libre cours, ils peuvent patiner à leur guise. Et on voit Morin capter la passe fort habilement du côté du gars de Racico qui est venu à sa rencontre. Le lancer est bien frappé et touche la cible pour un quatrième but des Nordiques. Mais beau jeu de Sean Anderson à l'autre ligne bleue. Et là, encore une fois, tout le monde a été pris de court chez le Canadien, y compris Daigneault. Morin qui enfile son deuxième du match, son 13e de la saison, à 6 minutes et 27. Alors, c'est une avance de 4 buts que se permettent les Nordiques. C'est un 15e lancé au but contre 6 seulement pour le Canadien. Oui, c'est encore un autre 2 contre 1 en faveur des Nordiques sur le jeu. Puisqu'il restait seulement un défenseur, il y avait Sakic qui était complètement découvert à la gauche de Morin. Et Sean Anderson a été coupé, touché à la figure. Voilà Morin, donc son 13e sur une passe de Sean Anderson à 6 minutes et 26 secondes. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le cas de Sean Anderson, mais... Il était branlé, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Burns, lui, qui... Oh! Burns est furieux. Il a... C'est la mise en échec le long de l'athlétisme de Stéphane Lebeau. Et là, je pense qu'il s'est blessé avec son bâton. Son ou en propre donnant... bâton, oui. Hein? Oui. Voilà de quelle façon il est plaqué. Il a été touché au bras, le bras droit ou la main droite. La main probablement qui est demeurée coincée lors de sa mise en échec. Oui, c'est fort possible. Burns, que j'ai vu ce matin à son hôtel en compagnie de François Allaire et Jacques Laperrière, ils allaient faire du jogging à 10h30. Mm-hmm. Il faisait un temps splendide aujourd'hui à Québec, du temps ensoleillé. Et devinez de quoi on parlait au premier entracte. Je suis allé faire un petit tour à la salle de presse. On parlait des cérémonies d'avant-match. Et... Les opinions sont très partagées. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le déroulement de cette cérémonie, voilà John Ziegler. Et effectivement, il a été blessé à la main. Ça pourrait être assez sérieux. En ce qui concerne la longueur, Claude? Oui, la longueur, la présentation, la chaleur qui s'est dégagée, le rythme, enfin, un peu de tout. Ouais. Et il y avait beaucoup de spontanéité ici au Forum, avec toutes ces anciennes vedettes du Canadien, Jean Béliveau, Maurice Richard, Dick Moore, Dollard Saint-Laurent, Yvan Cournoyer. Des gens qui évoquaient énormément de souvenirs aussi autour de Guy Lafleur. Des idoles de jeunesse. Maurice Richard, moi, c'était mon idole de jeunesse. Oui, mais l'histoire des Nordiques est beaucoup plus jeune. Ils sont beaucoup plus... L'organisation est plus jeune. Oui, mais c'est ce qui a fait... C'est ce qui a apporté cette spontanéité, cette différence au niveau de la chaleur qui s'est dégagée dans la simplicité. Hier soir au Forum, et deux soirées d'affilée. Souvent, c'est difficile de maintenir le même tempo. Ça, c'est vrai. Là, c'est Ognot qui provoque un arrêt du jeu. Alors, ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient dans un instant. Ah ah! Vous feriez l'impossible pour ne pas voir cette brisure dans votre pare-brise. Les experts de Lebeau réparent ces brisures. Et si vous êtes assuré, dans la plupart des cas, ça ne vous coûtera rien. Passez vite chez Lebeau et prévenez un plus gros problème. Lebeau, vitre d'auto.
Au fil des ans, bien des pièces de votre voiture vous laisseront tomber. Mais un pare-brise remplacé par les experts Lebeau est là pour longtemps. Pour votre sécurité, l'installation est faite selon les normes du fabricant et garantie tant que vous possédez votre voiture. Lebeau, vitre d'auto. Ah, voilà une banderole qui dit bien ce que ça veut dire. Avec 12 minutes et 48 secondes à faire en deuxième période, c'est 4-0 les Nordiques. Voilà, au centre, Stéphane Lebeau avec une passe pour Leclerc qui va se trouver dans le coin, attendu par Vorlanden. Son relais est laissé libre jusqu'à l'intervention de McNeil. McNeil qui est rapide jusqu'en territoire des Canadiens devant Peter Svoboda. Passe à Pearson, en retrait, c'est Lebeau qui est intervenu avec un beau repli défensif. Voilà Desjardins qui poursuit l'attaque en zone des Nordiques maintenant. La passe à Lebeau, il perd le disque. Là, c'est poussé plus loin par Vorlanden. Raglan récupère près de la clôture. Il est rejoint et arrêté partiellement par Desjardins. Et ensuite, c'est une passe de Cholski en territoire des Nordiques saisie par Lebeau. Mais il y avait absolument un hors-jeu là-dessus. C'est la mise en échec, justement, de Lebeau qui a mis Sean Anderson hors de combat. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure à la main, mais il l'a quitté. Ça semblait assez inquiétant dans le camp des Nordiques. Alors, Lebeau, sur qui on comptera aussi pour le temps des séries éliminatoires, il est capable de marquer des buts. Il a souvent cédé sa place cette saison, mais on connaît son talent offensif. Au centre, c'est Tom Cholski, arrêté par Finn. La rondelle est abandonnée par Lefebvre, mais rapidement saisie par Mathieu Schneider. Voilà Schneider, belle passe à Walter. Walter remet dans le coin gauche. Dobnak qui choisit d'intervenir, veut remettre à Vermette, mais il était surveillé par Cholski. Ensuite, c'est Finn qui doit batailler devant ce même Cholski pendant que Kucherov lui s'empare du disque. Et la remise est belle au centre pour Owen Nolan. Nolan à Vermette. Ensuite, Versakic. Il a été arrêté par Walter. Une passe devant pour Vermette. Bel arrêt de Rassico. Et le retour appartient à Andrew Kessels, qui tire de loin dans le coin droit. Tognot n'a pas le choix, il est intervenu. Et ensuite, c'est passe de Walter qui est intercepté par Finn. Remise à Sakic. Il est en attaque avec Nolan, là, qui choisit de revenir sur ses pas. Voilà la passe à Joe Sakic, attendu par Walter, sans défait d'une belle façon. Il a voulu remettre à Vermette, mais Vermette était rappelé au banc. Là, c'est Mike Hoff qui est tout seul en attaque. Voilà Vernichek ensuite avec un lancer qui rate la cible. Et le retour appartient à Ryan Walter. Frappé par Vorlanden. Vorlanden qui maintient le disque en zone adverse. Schneider avec la complicité de Lefebvre. C'est un dégagement qui sera refusé aux Canadiens quand Randy Vernichek touche au disque. Le hockey à quatre saisons vous revient immédiatement après cette pause. Tu as toujours cru, tu l'as toujours su. Le numéro 18, Denis Savard. Ce feeling que t'avais, c'est plus fort que jamais. C'est le feeling du vrai. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Alors, à la fin de la troisième période, Michel Villeneuve dévoilera le nom des gagnants de notre concours, le jeu du match Chrysler, qui prend fin, bien sûr, avec la saison régulière qui prend fin également. Alors, Michel Villeneuve nous dévoilera les gagnants de ceux qui mériteront des billets pour assister au final de la Coupe Stanley cette année. Ça, c'est après la troisième période. Mike Hoff travaille derrière le filet de Rassico. Vorlanden intervient. La rondelle lui échappe, c'est repris par Donald Dufresne qui voit son dégagement réussi, mais jusqu'au centre. Et ensuite, Vorlanden avec une passe à Guy Lafleur. Hurkus fait des biais avec le patin, mais c'est récupéré dans le coin par Jean-Jacques Desgueux. On est à mi-chemin exactement dans le match. On est à 10 minutes en deuxième période. C'est 4-0 les Nordiques. 17 lancés par Québec et 6 par Montréal seulement. Donc voilà Coulson. Le tir bloqué par Tognot et le retour balayé par Hurkus jusqu'en territoire des Canadiens. Mike Hoff qui vient compliquer la vie de Desgueux. Dufresne qui vient donner un coup de main à son coéquipier défenseur. Là, c'est Sundin qui intervient et qui reprend le disque. Sundin là, qui
voudrait bien passer devant. Là, il est bousculé par Strudlum. Ensuite, c'est Dufresne et Urquhart qui bataillent pour la possession de la rondelle. On a fait trébucher Urquhart. Il y a des protestations, mais l'arbitre Paul Stewart a dit non. Il a même fait un signe de la tête. Répondant ainsi aux huées. Il est spectaculaire, Stewart. Pas le meilleur arbitre de la ligue, mais... Non, il n'y en a pas deux comme lui. Tu te rappelles de ses frasques avec les Nordiques, hein? Oui. Desjardins s'avance. Un tir bloqué par Tocnot. Retour, Carbonneau. Il était à genoux. C'est Morin qui le surveillait devant le filet. Voilà Morin qui, malencontreusement, il l'a remis à Carbonneau. Et le tir repoussé par Tocnot. Dégagement annulé. McFinance. C'est repoussé par Tocnot encore. Et dégagement jusqu'en zone des Canadiens. Le Canadien a 10 lancés au but seulement depuis le début de la rencontre. Mais là, on a vu un peu plus de pression de la part des attaquants. Oui, il y en a eu 4 dans les 30 dernières secondes, peut-être. Mm-hmm. 8 minutes 30 à la deuxième. 4-0, les Nordiques. Courtenance avance. McFinance. Oh, bel arrêt encore. Ron Tocnot. Je ne sais pas si la rondelle était dirigée à l'extérieur, mais il n'avait absolument aucune chance à prendre. En direct du Colisée, c'est le hockey à télévision 4 saisons. C'est une offre sensationnelle pour une durée limitée, disponible seulement chez vos honorables Honda. La Civic CX, avec la finition exclusive de Honda. Maintenant, à seulement $185 par mois. Ou l'Accord LX de Honda, le summum de leur expérience, pour aussi peu que $285 par mois. Garantie pour 5 ans ou 100 000 km. Parce que, après tout, avec la garantie Honda, le choix est clair. Oh. Alors hier soir, les Canadiens se sont heurtés à Jacques Lucien en grande forme. On a perçu à Courtenay et McPhee va de lancer. Un beau lancer bien dirigé juste à la gauche de Tocnot qui cueille la rondelle avec la main. Et hier soir, bien, c'était Cloutier. Ce soir, c'est Tocnot. Les deux gardiens ont vu beaucoup de caoutchouc au cours de la saison, donc ils ont l'habitude de recevoir des bordées de rondelles à tout moment. Après la mise au jeu, c'est Raglan qui s'empare du disque. Obtient son dégagement là, jusqu'au centre. Svoboda attire Scott Pearson. La remise à McPhee, puis de Desjardins vers Courtenay. L'intervention de Raglan. Ça permet à McNeil de pousser le disque dans le coin droit. On devrait recommencer autour de Peter Svoboda. Passe audacieuse devant lui à Desjardins. Ensuite de McPhee à Courtenay. Courtenay est arrêté partiellement par Berichek. Mais le Canadien conserve possession de la rondelle. Desjardins qui... Remet dans le coin droit. 7 minutes 50 à faire en deuxième période. Goussarov et de McNeil à Goussarov ensuite. Goussarov qui redonne le disque à McNeil, qui ramène la rondelle au centre, mais c'est Carbonneau qui lui a causé des problèmes. Mais McNeil est parvenu ensuite à la deuxième occasion à renvoyer le Canadien chez lui. Longue passe de Courtenay, c'est intercepté au vol par Bolanen. Bolanen vers Tony Urquhart. Ensuite, Desjardins vers Lebeau. Du jeu extrêmement décousu. Schneider reprend. Courte passe à Desjardins. Desjardins qui s'amène au centre. Expédie le tout ensuite jusqu'à derrière Tocnot. Là, c'est Mykov. Courte passe à Tony Urquhart. Urquhart en zone des Canadiens. Lefebvre ensuite à Schneider puis à Lebeau. Vers Gilchrist. Gilchrist qui cherche à se détacher de Tony Urquhart, mais il a fait une chute. Et c'est Urquhart qui en a profité. Mykov tire dans le coin droit. Lafleur devant Schneider. La rondelle lui échappe, c'est repris par le défenseur des Canadiens. Et voilà, Schneider par la rampe, un dégagement, un simple dégagement jusqu'au centre. Finn qui refoule le Canadien dans son territoire. Schneider la passe du côté droit à Gilchrist. Vers Sylvain Lefebvre. Lefebvre qui... a vu son relais touché au bâton de Leclerc. La rondelle s'en est allée dans le coin gauche, en territoire des Nordiques. Voilà une poussée de Owen Nolan. Il est pris en charge par Gilchrist. Ensuite, il applique hors l'aile en territoire des Canadiens. Dufresne qui le ralentit considérablement. La passe à Vermette. Vermette devant. Il a voulu donner à Sakic, mais la rondelle a touché l'extérieur du but. C'est ce qui a empêché le disque de s'en aller devant le but, justement. Goussarov a perdu le disque à Leclerc. Là. Peut-être 2 contre 1 ou 3 contre 2. Passe au intercepté par Sakic qui effectuait du beau boulot en défensive. Nolan à Sakic. Un lancer bloqué partiellement par Donald Dufresne.
Gilchrist qui s'empare du retour. La remise à Donald Dufresne, au centre. À Jean-Jacques Daigneault, qui renvoie le tout en territoire des Nordiques. Voilà Goucharov, qui cède le disque pour Mark Sundin. Sundin a perdu à Chorsky. Une passe qui a touché un bâton. Sundin vers Mark Vermette, qui a choisi de revenir sur ses pas. Et ensuite, il cède le disque au centre à Sundin. Sundin a été arrêté par deux joueurs des Canadiens. Et c'est Jean-Jacques Daigneault qui reprend ensuite pour Chorsky. À Walter et à Andrew Kessel, à Chorsky. Et encore pour Walter, mais là, il avait Stéphane Morin sur le dos. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà Volanen à Matt Sundin. Sundin, longue passe à Stéphane Morin, c'est beau. Il est devant Daigneault. La passe est interceptée par le jeu de Peter Svoboda avec 5 minutes à écouler en deuxième. 4-0 les Nordiques. Autre attaque de Matt Sundin. Sundin devant Daigneault. Sundin toujours en possession de la rondelle. Ben, et ça va obliger les Nordiques à retraiter au centre. Et ensuite, Chorsky qui reprend en territoire des Nordiques. Pénalité à retardement annoncée à Québec. Attendons voir qui. Sundin. Matt Sundin. Hein? Oui. Ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient après cette pause. Pour eux, comme pour nous, réussir, c'est une question de fierté. Et à titre de commanditaire principal, Ultramar apporte tout son appui aux jeunes athlètes québécois lors des Jeux d'hiver du Canada 1991 à l'île du Prince-Édouard. Alors, pénalité, Mats Sundin pour obstruction à 15 minutes et 22 secondes. Alors, de quelle façon ça s'est passé au centre de la patinoire, juste devant le but. Et là, c'est Sundin qui vient plaquer Castles. Alors, en avantage numérique, le Canadien est 14e. Les Nordiques sont 21e partout, avec l'avantage d'un homme ou avec un homme en moins. Et les Nordiques ont compté ses 10 buts en désavantage numérique depuis le début de la saison. C'est Desjardins avec une passe qui longe la clôture. Avantage numérique là pour les hommes de Pat Burns. Les Nordiques mènent 4-0. Il reste 4-25 à la deuxième. Desjardins, une passe que Scroven saisit. Il remet à Corson de l'autre côté. Corson qui est attendu par Volanen d'un côté et McNeil de l'autre. Voilà, Scroven à nouveau. Passe à Desjardins. Oh, le tir a été bloqué par Tognot. Il s'est défendu tant bien que mal et le retour a été raté de justesse par Corson devant le filet. On a reçu des nouvelles de Sean Anderson, André. Il a subi une fracture du poignet droit. Alors, c'est fini pour lui au dernier match de la saison. Éric Desjardins maintenant. Oh, il a perdu le disque. C'est un kick peut-être. Attendons voir. Il s'avance. Il est seul. Il lance. Il a raté la cible. Oh! Il a touché Rachico à l'épaule, je crois. La rondelle est passée par-dessus la cage. C'est un kick repas. 58 secondes de la pénalité au Nordique. Richer, en zone des Nordiques, il a été arrêté. Et Phil en profite pour expédier la rondelle tout à fait à l'autre bout. 45 secondes à la pénalité à Mats Sundin. Quelle belle chance ratée par Joe Sakic. Il avait le 49e au bout du bâton. Voilà le long de la rampe, c'est McPhee qui bataille devant McNeil. Ensuite, la rondelle est saisie par Lefebvre. Il a hésité. Schneider lance. Oh, Tognot qui résiste. Le retour poussé à l'autre bout par Mark Vermette. Il ne reste plus que 20 secondes à la pénalité à Sundin. Et 2 minutes 50 à la deuxième période. Schneider reprend. Avec une courte passe qui est ratée pour Courtnall. Volanen vers Mike McNeil à Vermette ensuite. Voilà le tir frappé, repoussé par Asico. Et le retour appartient à Guy Carbonneau. Carbonneau jusqu'au centre à McPhee. McPhee remet dans le coin droit. La pénalité à Sundin est maintenant terminée. Lambert vers Vermette, mais le dégagement est annulé par Schneider. Là, c'est Lambert qui bataille devant Courtnall. McPhee voit sa passe abandonnée, mais récupérée par Lefebvre un peu plus loin. Courtnall, harcelé par Lambert. Là, c'est une passe qui a été neutralisée par Alexei Goucharov. Et le dégagement est réussi avec l'aide de la clôture.
Nouveau Lefebvre remet à Courtnall. Il a feinté de lancer devant Lambert. Voilà le tir repoussé par Cognotte. Lambert voit sa passe interceptée par Courtnall, un beau jeu. Là, c'est Leclerc de l'autre côté pour Lebeau. Un superbe, superbe manœuvre de Goussaroff. Là, c'est Hurkis qui se présente devant Schneider. Un tir bloqué par le gardien. Retour poussé plus loin par Daigneault. Et c'est Gilchrist qui reprend. Gilchrist avec Lebeau en attaque. Gilchrist pénètre en zone adverse. Une passe qui était derrière Lebeau. Lambert permet à Hurkis de reprendre la rondelle. Et voilà de Morin jusqu'à Matt Sundin. 1 minute 25 à la deuxième. Sundin, loin à gauche pour Tony Hurkis. Et ensuite, c'était bien passé. Morin s'amenait en trombe. Il voulait faire dévier, mais la rondelle est peut-être un petit peu trop haut dans les airs. Voilà pourquoi ça a compliqué la vie de Stéphane Morin. Et voici encore Stéphane Morin, là, mais Desjardins l'a avancé en zone des Canadiens. Et ensuite, c'est Lebeau qui reprend. La passe à Leclerc. Leclerc est pourchassé par Lafleur, qui lui fait perdre la rondelle. Ensuite, c'est Mykov qui a repris le disque. Il s'amène tout fin seul en attaque en territoire des Canadiens. Lafleur qui s'amène lui donner un coup de main, mais la rondelle appartient à Svoboda avec moins d'une minute maintenant à la deuxième. Plus précisément, 45 secondes à faire. 19 lancés par les Nordiques et 15 par le Canadien. C'est toujours 4-0. Pour les Nordiques. Leclerc, arrêté par Goussaroff. Lafleur ensuite, pousse le disque un peu plus loin. Rondelle sautillante. Ensuite, c'est Desjardins qui reprend possession de la rondelle et qui remet profondément en territoire des Nordiques. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts du jeu en cette deuxième moitié de deuxième. Hein? Non, pas trop. Mais le jeu reste très ouvert. On voit que, enfin, c'est un dernier match qui n'a pas beaucoup de signification. Alors, le Canadien va commencer à se préparer pour les séries de demain. Les Nordiques, bon, vont plier bagages et vont entrer en vacances. Ben, la deuxième se termine là-dessus, Claude. Oui, alors, une deuxième période où il y a eu une seule séquence favorable aux Canadiens et les Nordiques en ont profité pour marquer deux fois de plus. Alors, en deuxième période, 10 lancés par les Nordiques et 11 par les Canadiens. Le hockey à quatre saisons vous revient dans un instant. On vous en donne plus! Vous pouvez encore obtenir la toute nouvelle Escortel pour seulement 8 995 $ ou pour moins de 187 $ par mois. On vous en donne plus! Avec son moteur 1.9 litres et sa transmission manuelle à 5 vitesses, elle offre plus de puissance que la Honda Civic de base. L'Escort 91, une nouvelle génération de qualité exceptionnelle chez vos concessionnaires Ford et Mercury. Faites vite, cette offre prend fin le 11 avril 91. Ford Mercury, on vous en donne plus! Guy Lafleur avant d'abandonner, avant de terminer la saison. Et justement, ce soir, ils ont une sérieuse option sur ce match, le dernier du calendrier. Alors, le hockey à quatre saisons se poursuit immédiatement après cette pause. Alors, les Nordiques mènent 4-0 devant le Canadien après deux périodes complètes. Permettez-moi de vous rappeler que dans quelques instants, Charles Perrault s'entretiendra avec André-Philippe Gagnon et on aura le plaisir d'avoir avec nous aussi Régent Tremblay du quotidien La Presse à Montréal. Alors, le compte après deux périodes est Nordiques de Québec 4 et Canadiens 0. Oh, encore une saleté. Papa va la mettre pile, pile, pile. Où t'étais passé, là, toi? Demain matin, on fait le plein d'essence chez Ultramar. Pas d'ordinaire, mais d'intermédiaire plus avec Ultratech. Tu vas être plus en forme, puis tu vas rester encore longtemps, longtemps avec papa. L'intermédiaire plus d'Ultramar pour garder sa voiture. Chut, j'ai dit demain matin, fais dodo, là. Longtemps, longtemps.
en primeur, à Télévision 4 saisons. Je ne sais pas ce qui m'arrive l'été. Je deviens complètement dingue, rien qu'à voir les filles porter des trucs pareils. Des neiges a pris son envol et on le reconnaît de plus en plus à la grandeur du Québec. En son honneur, voici un vin tout à fait remarquable, le Harfang des neiges, blanc ou rouge. Le Harfang des neiges, un vin aussi à notre image, franc, loyal, expressif, même au froid. Le Harfang des neiges, un vin au goût des Québécois. Moi, ça me fait rien. Mais si vous utilisez n'importe quelle huile moteur, je donne pas cher de votre moteur. Tenez, regardez celui-ci, par exemple. Un tas de résidus accumulés, hein? Des marques sur les pistons, des pièces qui tiennent pas le coup. Voulez-vous mon avis? Adoptez Valvoline Tout Climat. L'huile moteur qui dépasse toutes les normes de garantie établies par l'industrie automobile. Valvoline, y a rien de mieux que ça. Après deux périodes de jeu, les Nordiques ont pris les devants 4-0 face aux Canadiens de Montréal et mon invité est André-Philippe Gagnon. Mike, comment t'as trouvé la première période? Eh bien, la première a bien été. Là, on est rendu à deux périodes de fête. Hein? Je pense qu'on devrait finir avant minuit. Plus sérieusement, André-Philippe, est-ce que tu as la chance de voir des matchs d'hockey? Je pense que c'est plutôt rare. C'est très rare, puis je suis content d'être ici ce soir. Bon, voir Guy pour son dernier match, et puis j'étais vraiment content. Quand il m'a appelé à Los Angeles, je fais des spectacles là-bas, il m'a appelé, il dit, ça me tenterait qu'il soit sur... J'aimerais ça l'imiter, mais il dit, ça me tenterait qu'il soit sur le spectacle si tu pouvais être disponible. Alors, je peux pas refuser ça à un ami, alors c'est pour ça que j'étais ici ce soir. Puis je voudrais tout de suite, en tout cas, commencer, on n'oublie pas Michel Bergeron là-dedans, qui a été, je pense, un des responsables majeurs dans le retour de Guy Lafleur. Alors, je pense que c'est très important de souligner là, ce nom-là dans cette histoire-là. Justement, Bergeron, penses-tu qu'il y a une réaction face à tout ça? Ah, je pense qu'André-Philippe a raison. Il ne faut pas oublier là-dedans. J'aimerais que tu parles un peu de tes liens avec Guy Lafleur. Comment vous vous êtes connus? C'était au tournoi de Deux Camps en 88, et puis j'ai fait des frais du spectacle, et puis on a joué au golf ensemble. Alors, tu sais, ça prend 5 heures, après jouer un 18. Fait qu'on a eu le temps de faire des blagues ensemble, de se connaître. On est rendu au 16e, là, on a des gros chums. On s'est raconté d'un paquet de trucs, puis il est tellement sympathique, puis il fait tout le tour plein de blagues, tout le temps plein de blagues. Alors, il a un gros sens d'humour. OK, merci André-Philippe. Un plaisir, Charles. Bonne chance. Alors, au retour de la pause, le hockey des Nordiques se poursuit à l'antenne de Télévision 4 saisons. Saviez-vous qu'il existe maintenant au Québec un service de messagerie incomparablement fiable? Dès la cueillette, votre envoi est enregistré dans l'ordinateur central. Chaque étape de son itinéraire est ainsi rigoureusement contrôlée. Que votre envoi voyage dans un de nos camions ou par avion cargo, notre système nous permet de vous dire où il se trouve. Bref, avec Fédéral Express, vous avez la certitude que vos colis ou documents sont entre nos mains. Ou celles du destinataire. Fédéral Express, l'expédition la plus sûre. Sonic Flashers de Majorette. La poursuite commence. Sonic Flashers de Majorette. Chaque item vendu séparément. L'aventure humaine ne fait que commencer. Star Trek, le film, jeudi 11 avril, 20h.
de la vente de Pâques chez Circuit Mercury. Avec seulement 399 $ comptant pour cette semaine seulement, prenez livraison d'une Ford ou d'une Mercury 91 flambant neuve à partir de 179 $ par mois. Avec air climatisé et transmission automatique pour seulement 234 $. Vous préférez un pick-up Ford? 199 $. Une Aérostar? 319 $ par mois. Seulement 399 $ comptant. Aucun autre frais à payer. Prenez livraison immédiatement. Un seul endroit peut vous offrir un tel cadeau de Pâques. Circuit Mercury, boulevard Henri Bourassa, 2 rue à l'est de la Cordère à Montréal-Nord. Alors, c'est toujours 4-0 pour les Nordiques face aux Canadiens après 40 minutes de jeu. Mon invité, Régent Tremblay du quotidien La Presse. Régent, tu as connu Guy Lafleur durant ses plus belles années. J'aimerais que tu me parles de l'homme, un peu le charisme autour de Guy Lafleur. Bien, Lafleur, c'est un cas spécial parce que, dans le fond, il n'y a pas eu de grande saison de hockey sur le plan performance depuis 9 ou 10 ans. Mais ça n'a jamais empêché les gens de l'aimer puis de vibrer avec lui. En fait, c'est le mot amour qui résume le mieux. C'est drôle à dire, hein? C'est un week-end de rêve qu'on vient de vivre. Puis je cherchais, puis je parlais avec des amis, je me disais, les grands Québécois qui ont vraiment fait vibrer le Québec depuis 25 ans, dans le fond, c'est René Lévesque, c'est Félix Leclerc, puis il y a eu Tigui. C'est sûr que c'est pas au même, dans le même secteur, peut-être pas dans le même diapason, le même niveau, mais ça l'a fait toucher, ça a fait vibrer une corde sensible dans le cœur de tout le monde. Puis on l'a vu encore en fin de semaine. Bien, M. Lévesque est mort, je pense qu'on n'a jamais eu le temps vraiment de fêter comme on aurait dû, peut-être. Puis Félix est mort dans sa grande noblesse. On n'a pas eu le temps d'aller danser dans sa cour, hein, oui, à l'île d'Orléans. Mais Tigui, on a dansé, dans le fond, hier soir au Forum. Puis aujourd'hui, bien, les gens de Québec ont montré à quel point eux autres aussi partageaient l'amour de tout le monde. Puis c'était quelque chose de fabuleux. C'est parce qu'il est vrai, hein? Quand tu es vrai avec toi-même, ben, tu peux pas mentir aux autres. C'est peut-être sa plus grande qualité. Est-ce que l'homme a changé rapidement en 30 secondes au fil des ans? Ben, je pense qu'il est plus mûr qu'il était, mais ça, c'est au moins une des qualités qui vient avec en vieillissant. Et ce que j'ai trouvé de lui le plus au cours des dernières années, c'est qu'il est plus serein. Lafleur était quand même... c'est un passionné, hein? Et parfois, il était tourmenté. Alors que là, je suis allé manger plusieurs fois avec lui depuis 3 ou 4 ans. C'est un homme serein. C'est un homme qui a accepté de nouvelle carrière. Puis, tu regardes, dans 20 minutes, il va ranger ses patins, mais il va être heureux. Merci, Régent. Au retour de la pause, Michel Villeneuve nous dit ce qui se passe dans les autres matchs présentés ce soir dans la Ligue nationale de hockey. En direct du Colisée à Québec, vous écoutez le Hockey des Nordiques à l'antenne de télévision 4 saisons. Le Harfang des neiges a pris son envol et on le reconnaît de plus en plus à la grandeur du Québec. En son honneur, voici un vin tout à fait remarquable, le Harfang des neiges blanc ou rouge. Le Harfang des neiges, un vin aussi à notre image, franc, loyal, expressif, même au froid. Le Harfang des neiges, un vin au goût des Québécois. Moi, ça me fait rien. Mais si vous utilisez n'importe quel huile moteur, je donne pas cher de votre moteur. Tenez, regardez celui-ci, par exemple. Un tas de résidus accumulés, hein? Des marques sur les pistons, des pièces qui tiennent pas le coup. Voulez-vous mon avis? Adoptez Valvoline Tout Climat. L'huile moteur qui dépasse toutes les normes de garantie établies par l'industrie automobile. Valvoline, y a rien de mieux que ça. Oh, encore une petite saleté. Papa va la mettre pile, pile, pile. Et où t'étais passé, là, toi? Demain matin, on fait le plein d'essence chez Ultramar. Pas d'ordinaire, mais d'intermédiaire plus avec Ultratech. Tu vas être plus en forme, puis tu vas rester encore longtemps, longtemps avec papa. L'intermédiaire plus d'Ultramar pour garder sa voiture. J'ai dit demain matin, fais dodo, là. Longtemps, longtemps. Tu y as toujours cru. Tu l'as toujours su. Le numéro 18, Denis Savard. Après 40 minutes de jeu au Colisée, les Nordiques mènent 4-0 sur le Canadien.
Sept autres rencontres sont présentement en cours dans la Ligue nationale et deux d'entre elles détermineront le champion de la division Norris, qui sera également coiffé du titre de champion de la saison régulière. Et tout d'abord à Chicago, les Red Wings nivellent la marque 1-1 quand Kevin Miller rejoint Steve Yzerman dans l'enclave. Ce dernier échappe à Manson pour marquer son 51e. Toujours en deuxième période, Yves Racine ne peut contrôler une rondelle bondissante. En provenance du bâton de Roenick, Dirk Graham s'en empare et file seul vers Hanlon, qu'il déjoue sans même lancer. Nous sommes en début de troisième période, c'est 2-1 les Blackhawks. À Saint-Louis, les joueurs des Blues attendent le résultat final du match à Chicago. Ils ont battu les North Stars 2-1 et Brett Hull a marqué son 86e but de la saison, en plus de préparer le but vainqueur, celui de Dan Quinn. Donc, pour le moment, avec cette victoire des Blues 2-1, eh bien Saint-Louis a 105 points, un de plus que Chicago. En fin d'après-midi à Calgary, les Flames l'ont emporté 5-3 sur les Kings. À Boston, en fin de troisième, les Bruins doublent les Whalers 6-3. À Buffalo, une victoire des Sabres 5-2 sur les Caps. À New York, les Rangers ont gagné 6-3 sur les Pingouins. C'est 3-2 les Islanders à East Rutherford en fin de troisième période. Enfin à Edmonton, c'est 4-3 les Oilers en fin de troisième sur les Jets. Et le hockey à télévision 4 saisons vous revient après cette pause publicitaire. Pour Chevrolet, la vraie beauté dépasse les apparences. Nous avons donc gratté la surface de notre berline Lumina, d'une Ford, d'une Honda et d'une Mercedes. Un mois en chambre de corrosion accélérée équivaut à 2 ans de circulation normale. L'acier galvanisé sur les deux faces de la Lumina a offert, et de loin, la meilleure protection anti-rouille. La Mercedes, tôt ou tard, elle aussi en arrive à ça. La durabilité est une priorité, pas une option. Ça, ce sont les Chevrolet d'aujourd'hui. L'expérience du Party Superclub dans un tout nouveau décor et en compagnie des meilleurs groupes live. Cette semaine, le Party Superclub vous présente le groupe torontois Tashi. Ce soir, fêtez Pâques en grand, lapin au chocolat offert aux 200 premiers arrivés. Et le party continue. Fiable pour des milliers et des milliers d'entreprises au pays, fiable des millions de fois par jour, voilà les appareils à traiter le courrier Pitney-Bowes. Cependant, si vous êtes d'avis que les systèmes de courrier Pitney-Bowes sont plus fiables que vos photocopieurs, peut-être devriez-vous nous faire photocopier ce que vous nous faites poster. Pitney-Bowes. Les affaires, on connaît ça. On est au poste depuis le début. Donnez plus de fraîcheur à votre sourire avec Polydent Ultra Efficace. Avec son ingrédient de rince-bouche à la menthe, il rafraîchit votre dentier tout en le nettoyant. Polydent ultra efficace ou Polydent pour fumeur. Pour avoir un dentier fraîchement propre. Souffrir du pied d'athlète, ça n'est pas du sport. Heureusement, il y a maintenant un traitement efficace. Le nouveau Tinactin Plus à triple action. Ça marche! Alors, on est de retour au Colisée de Québec. André Côté en compagnie de Claude Bédard. C'est la troisième période qui va débuter dans quelques instants. Alors que les Nordiques mènent 4-0... et qui a 19 lancés par Québec contre 15 pour Montréal. On a parlé de Guy Lafleur pendant toute la soirée. Dis-moi, Claude, t'es un privilégié, dans le fond, là. Hein? Comment ça? J'ai ouï dire que, à ton tournoi de golf du 26 juin prochain, le président d'honneur n'est nul autre que Guy Lafleur. Oui, effectivement, un oui. Un tour de passe-passe que t'as fait là, quoi. Ben, ça a été demandé depuis déjà fort longtemps. C'est le tournoi Rico Bédard au club de golf Le Bic. Que beaucoup de gens connaissent. Superbe. C'est un bel endroit. Le 26 juin, et Guy Lafleur sera le président d'honneur. L'an dernier, c'était Michel Bergeron qui était notre président d'honneur. Et naturellement, c'est un tournoi à bénéfice. Et Guy a accepté avec beaucoup d'empressement, étant donné que c'est pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et on veut absolument là-bas construire une maison pour les malades en phase terminale, ce qui manque dans tout l'Est du Québec. Le départ, c'était sa kick à la mise au jeu devant une
Guy Carbonneau. Lafleur s'empare du disque derrière son but. La remise à Mycroft. Le relais trop en avant de Lafleur est saisi par Svoboda qui remet à Carbonneau vers Courtnall. Passe interceptée par Volanen. Et de retour au centre, c'est Peter Svoboda qui reprend. Carbonneau maintenant, attendu par Volanen. La passe va filer jusque dans le coin droit. C'était destiné à Courtnall. Ensuite, Volanen qui fait une sortie de zone en compagnie de Joe Sakic. Sakic devant Lefebvre décoche un lancer qui rate la cible. Lafleur bataille le retour. Pas tellement loin, c'est Carbonneau et Sakic. Et finalement, Sakic abandonne le disque involontairement. La passe est saisie par Courtnall. Courtnall qui a voulu déjouer Randy Velnichek, mais ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que, de part et d'autre, du côté de Dave Chambers et de Pat Burns, on apporte des changements. Schneider qui tire de loin. Tocnock repousse le lancer. Urquhart remet au centre à Mark Vermette. Ensuite, c'est Owen Nolan qui a devancé Schneider. La rondelle est laissée libre jusqu'à l'arrivée de Vermette et Lefebvre. Nolan fait une autre chute et c'est Schneider qui en profite avec une passe ensuite à Shane Corson. Ryan Strugglin arrêté. Richie lance et Tocnock qui résiste. Richie reprend dans le coin. La rondelle lui échappe. Là, c'est Lefebvre à la poursuite du disque. Il maintient le disque en zone des Nordiques. Richie doit travailler avec une rondelle sautillante. Entraîné dans le coin par Verlischek et c'est l'immobilisation. Ce match entre le Canadien et les Nordiques vous revient après cette pause. Ce sera Brian Strugglin devant Tony Urquhart. Regardez Jacques Martin derrière le banc des Nordiques. Il est parti de la première à la dernière place. L'adjoint de Mike Keenan et cette année l'adjoint de Dave Chambers avec une équipe de 21e place. Pour la rondelle qui se promène dangereusement devant le filet de Tocnock. Richer un faible lancer qui a été paré par Ron Tocnock, mais c'est Volanen qui est venu contrer les efforts de Stéphane Richer. Et Ron Tocnock, sûrement, en début de troisième période, il doit penser à certaines choses, couronner la saison. Une bonne saison, sa meilleure pour lui, même s'il a une fiche perdante. Voilà encore une fois qu'il se montre vigilant devant Strugglin. Et je vous parlais il y a quelques instants de Jacques Martin. Il avait un choix, soit de demeurer avec Chicago. Keenan lui avait proposé de rester et il a voulu relever le défi à Québec. Et plus tard, il l'a regretté. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Sauf qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent pour les fleurs de l'Isée. Ben, j'espère. Corson qui s'est emparé du disque abandonné par les Nordiques, remet dans le coin gauche. Ce sera Vermette devant Strugglin. Dégagement annulé par Schneider. Et la frappe a été bloquée par Tocnock. Il est parvenu, c'est ce qui est héroïque, à conserver la rondelle dans son gant. Et c'est une rondelle que Nolan n'a plus interceptée et c'est pour cette raison que ça a permis aux défenseurs, on va voir Nolan, qui a été incapable d'intercepter cette rondelle et Schneider en profite pour tirer de loin. Richie est encore là. Richie qui joue un bon match. Il a bien joué hier soir et ce soir, il est encore souvent sur la rondelle. Même s'il n'a pas lancé tellement souvent, mais le Canadien n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus de décocher des tirs sérieux, sauf pendant une bonne séquence en deuxième. Et ça s'est limité à ça, mais 19 lancés seulement de chaque côté jusqu'à maintenant. C'est exceptionnel en ce qui regarde les Nordiques, eux qui on voit leurs gardiens recevoir beaucoup plus d'habitude. C'est Daigneault qui conserve le disque en zone des Nordiques. Walter jusqu'à Jean-Jacques Daigneault, un lancer qui rate la cible. Ce sera ensuite Donald Dufresne là, qui remet à Andrew Cassels. Boucharoff, un dégagement par la rampe. Sundin qui abandonne le disque. Dommage pour lui parce que Sakic était de l'autre côté. Il aurait pu y avoir un 2 contre 1. Aumorin qui a raté son jeu complètement. Il a levé la tête et la rondelle a glissé sur son bâton. Derrière le filet de Racicot, c'est Donald Dufresne qui reprend. La passe à Tom Chorsky. Andrew Cassels maintenant devant Tony Twist. Cassels à Chorsky. Bel arrêt encore de Tocnock qui résiste.
avec une avance de 4-0. On travaille avec beaucoup plus de confiance. Ça kick vers Stéphane Morin. Il était retenu par Chorsky. La rondelle est saisie par Andrew Cassels. Prise en charge par Sundin, mais il remet à Svoboda du côté gauche. Svoboda est devant Goussarov. Cherche un coéquipier de l'œil. La passe a été interceptée par Stéphane Morin. Voilà Morin avec un long relais pour sa kick, mais ça manquait de précision. De toute façon, il y avait des changements apportés par Chambers et le dégagement est refusé. En direct du Colisée, c'est le hockey à télévision 4 saisons. C'est vrai que la Honda Accord est toute une voiture. Pour la concurrencer, nous avons donc construit la Dodge Spirit et la Plymouth Acclaim. Mais il y a encore des gens qui disent que ce ne sont pas tout à fait des Honda. Alors supposons que nous enlevions le moteur V6 pour le remplacer par un moteur 4 cylindres. Supposons que nous enlevions le surplus d'espace pour les passagers et le coussin gonflable offert en option. Et supposons que nous ajoutions environ 2 500 $ au prix. Alors elles seraient vraiment comme des Honda. Chrysler, juste un essai et vous serez convaincu. À la droite de Ron Tugna, ce sera Stéphane Lebeau devant Mike McNeil à la mise au jeu. La reprise du jeu, c'est vers le check. La passe à Lambert vers Raglan au centre. Raglan qui a perdu le 10, mais la rondelle va longer la clôture jusqu'à l'intervention du gardien. Là, c'est Mike McNeil. Avec le patin, sa passe a été coupée par Gilchrist. Rapidement, jusqu'à Leclerc. Leclerc, et ensuite à Svoboda, il est seul. Oh, superbe arrêt de Tugnutt sur le lancer de Svoboda, qui est venu de nulle part pour se présenter complètement seul devant lui. Leclerc, la passe à Gilchrist. À nouveau pour Lebeau, devant le filet, il était aux prises avec deux joueurs des Nordiques. Et là, la rondelle poussée plus loin par Lambert, hors de portée de Desjardins. Et c'est Schneider qui reprend au centre et qui a hésité un moment. Et là, pousse la rondelle accidentellement dans la foule. Et tout ça a commencé par une mauvaise décision de McNeil de faire la passe par la bande. Une passe qui a été interceptée et la descente de Leclerc avec Svoboda jusqu'à l'autre bout de la patinoire. On va voir la passe qui a été coupée justement par Gilchrist. La remise ensuite à Leclerc. Leclerc cherche à se frayer un chemin entre les deux défenseurs et laisse Svoboda seul. Svoboda cherchait la partie supérieure juste au-dessus de l'épaule de Tugnutt, mais son lancer est bloqué par le gardien. Encore une fois, Tugnutt qui se surpasse. Il a eu à effectuer quelques bons arrêts depuis le début de la troisième période. C'est Schneider attendu par Tony Urquhart en territoire des Canadiens. Lafleur, son tir a été bloqué par Carbonneau. La rondelle se présente soudainement sur le bâton de Lefebvre. Lafleur reprend vers Tony Urquhart. C'est finalement Courtnoy qui récupère de l'autre côté et il remet à Mathieu Schneider vers Mike McPhee au centre à Courtnoy. Courtnoy qui s'avance bien à Carbonneau. Tir frappé. Courtnoy sur le retour qui a été une chance incroyable. Mais donnons le crédit à Tugnutt qui a résisté encore. Stephen Finn avec une belle poussée. Là, ça va l'amener à la ligne bleue des Canadiens. Ça passe à toucher un bâton. Et le Canadien qui se contente de renvoyer les Nordiques à leur ligne bleue. Lafleur, tir frappé, bloqué par Asico. Il a hésité et là, il saute sur la rondelle. Se ravise et là, c'est le coup de sifflet de Paul Stewart. Ce match entre le Canadien et les Nordiques vous revient dans un instant. Commencera à songer à passer aux séries éliminatoires de demain contre les Sabres de Buffalo. Ça devrait donner lieu à une bonne série. As-tu fait des prédictions, André? Ah, tu nous as demandé pour ton journal il y a à peu près 2 semaines. Je pense que... T'as pas changé d'idée? Non, je pense qu'Edmonton va sortir du gouffre. Encore une fois. C'est Donald Dufresne qui remet en territoire des Nordiques. Le long de la rampe, Sakic a repris. Voilà, à Vermette et à Sakic encore. Courte passe à Nolan. Vers Sakic. Beau jeu de Stéphane Richer qui lui enlève la rondelle. Ça permet cette passe à Corson ensuite. Corson vers Krugland.
devant Verlischek, à Corson à nouveau. Corson s'avance, devant, mêlé devant le but. Lars Sjogren, la maille à partir avec Gusarov. Et c'est Verlischek qui remet à Owen Nolan, en même temps une sortie de zone. Voilà Nolan vers Sakic. Sakic s'avance bien dans l'enclave. Il lance. Oh, superbe arrêt de Rasico. Il vient de lui en voler un. C'était une des bonnes chances de Sakic, mais il était encore un peu loin. Et il n'y avait personne devant pour ennuyer Rasico. On va voir de quelle façon il s'esquive en zone adverse pour chasser toujours par Desjardins. Le tir, il est précis. Ouais, il est précis. Mais trop tard pour moi. Oui. Il lance très bien et souvent, ce que j'aime de Sakic, c'est qu'il sait varier ses lancers également. Il n'a pas seulement des feintes décevantes. Souvent, il va y aller d'un lancer frappé, mais il est capable aussi d'exploiter un bon lancer du poignet. Et du revers aussi, il a souvent compté. Son revers est très, très bon. Particulièrement lors d'échappée. C'est son arme favorite. Voilà. Sylvain Lefebvre dans son territoire. 13 minutes 25 à faire en troisième période. Toujours 4 à 0 les Nordiques. C'est Sundin qui remet du côté gauche à Stéphane Morin. La longue passe au centre pour Tony Hercus. Il se présente en zone des Canadiens. Là, c'est hors-jeu à retardement qui a été confirmé par la suite. Alors, on devra reprendre en territoire neutre avec 13 minutes 13 secondes à faire en troisième période. Tony Hercus, lui, on ne sait pas, on ne connaît pas trop son avenir. Ça se verra l'an prochain, lui, Claude, non. Hein? On est très indécis, en fait. Hercus a beaucoup de talent, sauf qu'on lui reproche toujours la même chose. Physiquement, il n'est pas là. Et souvent, il perd des occasions. Il y a des attaques qu'il brise lui-même parce qu'il refuse, justement, d'entrer en zone adverse en possession de la rondelle, de peur de recevoir une mise en échec. C'est justement pas la bonne façon quand on va avoir une équipe intense et très combative. Matt Sundin a joué un bon match hier au Forum, mais on voit chez ce jeune beaucoup de promesses, de belles années à venir. C'est un leader aussi. C'est un joueur qui va s'imposer, qui va s'affirmer de plus en plus. Il a connu une saison difficile parce que beaucoup de choses à apprendre. Après tout, 18 ans, il arrive dans la Ligue nationale. Mais on sent chez lui qu'il a pris beaucoup d'aplomb, beaucoup de confiance. On peut s'attendre à quelques saisons prometteuses. Oh, c'est Sundin qui est venu donner un coup de main à ses coéquipiers défenseurs. Là, c'est ce même Sundin qui se porte en attaque jusque devant Lefebvre. Passe à Hercus, c'était parfait. Et Rasico qui brille là, devant le tir de Hercus. Sundin a été blessé. Là. Il a reçu la rondelle, ne l'attendait pas. Je pense qu'il a été blessé à une main en interceptant une passe. Mais il a effectué sa descente. Il descend en diagonale et on le voit déjouer une très longue portée. Ça, c'est souvent embêtant pour le défenseur. Lefebvre le suivait, mais la remise après coup à Hercus et le tir bloqué par Rasico. Il perd la rondelle, mais on s'empresse d'empêcher l'adversaire de cueillir la rondelle. Alors, c'est une remise en jeu à la gauche d'André Rasico. C'est McNeil qui est là devant Stéphane Lebeau. À la reprise du jeu, pour Laden qui pousse le disque un peu plus loin. Leclerc reprend. Sa passe est interceptée par Tony Twist. De Daigneault à Lebeau. Lebeau s'est défait de Scott Pearson. La remise à Gilchrist qui fait dévier jusqu'à derrière le filet de Tognott qui cède le disque à Tony Twist. Maintenant, c'est Raglan à McNeil. McNeil qui pousse la rondelle dans le coin droit en territoire des Canadiens. C'était pour Raglan qui va reprendre un peu plus loin. Là, devant, McNeil lance, c'est bloqué. Deuxième fois, un autre tir bloqué par Rasico. Mais la rondelle était dirigée à l'extérieur du but. C'est quand même un arrêt du jeu. Il y avait Scott Pearson qui passait derrière Rasico. C'est la raison pour laquelle le gardien du Canadien a préféré garder cette rondelle encore une fois. C'est un trio qui a démontré quand même des choses intéressantes au cours des derniers matchs. Le trio de Scott Pearson avec McNeil et Raglan. Trois joueurs qui appliquent l'échec avant. McNeil est tellement rapide aussi qu'il provoque beaucoup de choses sur la patinoire. Sa rapidité l'aide énormément. Et Pearson, premier choix des Leafs de Toronto, on sait qu'il a été acquis dans la transaction de Michel Petit. Et ça a été un bon coup réussi par Paget. Oh, Mykov qui vient de rater une belle occasion de marquer. Rasico a résisté encore. Le hockey à 4 saisons vous revient après cette pause. Le 9-3-2,
nous appeler experts si nous n'avions pas les chaussures Brooks et leur système propulsion. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les Nike Air. On est en territoire des Nordiques. Là, c'est Lafleur qui a vu la rondelle hors de sa portée. Finalement, c'est hors portée. Et Svoboda, lui, qui doit se retirer dans son territoire. Là, c'est de McPhee à Courtnall. Courtnall qui veut s'amener en zone des Nordiques, c'est fait. La rondelle est poussée plus loin pour Mike McPhee. Ensuite, Courtnall devant pour Carbonneau. Dommage pour le Canadien que cette passe eût été imprécise. Sinon, Carbonneau était complètement seul. Et à nouveau, là, c'est un autre relais qui va se retrouver sur le bâton de Joe Sakic. 11 minutes 5 à faire en troisième. Attaque menée par Joe Sakic. Il est en zone des Canadiens devant Desjardins. Passe arrière à Lafleur. Le tir bloqué. Retour raté de justesse par Minkoff. C'est Lafleur qui reprendra. La remise à Sakic. Sakic qui a été stoppé par Svoboda. Reçoit la rondelle à nouveau. Là, cherche un coéquipier de l'œil, c'est Bourlanen. Voilà le tir frappé. Bloqué par Carbonneau. Et la rondelle à nouveau saisie par Sakic. Mais là, il est frappé par Svoboda qui l'empêche de bouger. Et le disque qui reviendra jusqu'en territoire des Nordiques. Steven Finn avec une rondelle qui s'en est allée jusqu'au gardien André Racicot. Voilà une sortie de Lefebvre. Tire de loin. Le retour est sautillant, saisi par Owen Nolan. Et il remet vers Tony Urquhart. Urquhart a été devancé par Lefebvre, mais va obliger Lefebvre à ramener la rondelle avec lui dans son territoire. Là, c'est Nolan qui a insisté un peu. Un commencement de dispute. Il y a un sang qui est sur la patinoire. Il y a deux joueurs qui se tiennent. L'arbitre n'a pas sifflé du tout. Ça veut se poursuivre. Et effectivement, ça se poursuit. Là, il y a une prise de tête de Nolan. Stewart tenait absolument à ce que le juge poursuive. Bon, c'était Scrooge et Owen Nolan. Et si Urquhart n'était pas intervenu, peut-être que les joueurs auraient décroché à ce moment-là. Et aucun coup n'a été porté, sauf que Scruton n'a pas prisé la mise en échec de Nolan. Le nom de la clôture. En direct du Colisée, c'est le hockey à télévision 4 saisons. Si vous êtes un acheteur de voitures importées, nous vous mettons au défi de faire l'essai d'une Plymouth Sundance ou d'une Dodge Shadow. Leurs avantages vous surprendront. Avec leurs 47 caractéristiques standards, vous oublierez rapidement vos importés. Nous devons cependant vous avertir que plus de la moitié de ceux qui essaient une Sundance ou une Shadow l'achètent. Chrysler, juste un essai et vous serez convaincu. Lefebvre qui a été contraint d'entrer, de revenir dans sa zone, poussé par Urquhart le long de la clôture. On continue de batailler pour la possession du disque le long de la bande. Et là, Skulden, lui, veut venir utiliser cette rondelle. Et c'est l'entrée en scène de Norman qui plaque sévèrement Skulden. C'est à ce moment-là que les esprits s'échauffent. Et il y a des pénalités. Skulden et Norman sont au banc des pénalités. Stewart, depuis le début du match, donne l'impression de qu'il n'est pas intéressé à donner trop de pénalités. Il veut que le match se déroule le plus vite possible. Exactement, j'ai pensé la même chose que toi. Et d'ailleurs, le match s'est déroulé rapidement. Très rapidement. Que le match a commencé à près de 9h, tout près de 9h. Il faut dire aussi que les joueurs de deux équipes veulent en finir au plus vite aussi. Oui, c'est le dernier match de la saison. Il n'y a pas d'enjeu. Le Canadien a hâte de rentrer à la maison pour commencer à penser à autre chose. Et Stewart, lui, bien, il veut pas que la soirée se prolonge trop. Alors Nolan et Scrooge au banc des pénalités à 10 minutes et 6 secondes. Ben, il connaît bien la ville de Québec, lui, de toute façon. Hein? Alors, il va vouloir aller prendre un bon repas à la fin du match de hockey. Après la mise au jeu, c'est Schneider qui vient s'installer derrière Racicot. 9 minutes 45 à faire en troisième période. La passe à Stéphane Richer devant Verlischek.
C'est Belichick qui l'a accroché. Kucherov remet vers Sundin. Sundin ensuite à Morin, puis à Joe Sakic. Sakic est devant Schneider. Il cherche à le contourner. Il fait une chute. Morin, lui, cherche à poursuivre l'attaque. Il remet à Belichick. Vers Sakic. Sakic est entraîné dans le coin par Lefebvre. Morin reprend. Autre passe à Belichick. De l'autre côté, Gusarov. Oh, un lancer qui a dévié. Puis la rondelle est passée par-dessus le but. Là, le tir de Sakic a été bloqué devant le but. Et Corson remet au centre à Lebeau. Lebeau vers Corson. Presque plus d'angle. Le tir a été bloqué par Gusarov. Et à nouveau, une attaque menée par Sundin. Sundin devant Donald Dufresne. Passe arrière à Morin. Le tir a été bloqué et la rondelle s'en est allée directement dans le coin gauche. Ensuite, c'est Lambert, un lancer qui rate la cible. De l'autre côté, Volanen a voulu donner le disque dans le coin à Sakic, mais il était surveillé par Donald Dufresne. Et Corson remet tout simplement au centre. C'est Lambert qui reprend. À nouveau en territoire des Canadiens. Dufresne, la passe à Jean-Jacques Daigneault. Daigneault remet à Dufresne encore. Là, c'est disque expédié profondément en territoire des Nordiques. Daigneault en place sur la ligne bleue. Moi, je croyais qu'il était sur la ligne bleue, mais on en a jugé autrement. Je regardais travailler Dan Lambert. Naturellement, il n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Heureusement qu'il est là ce soir parce que les Nordiques ont encore perdu un de leurs défenseurs, Sean Anderson, qui s'est fracturé la main droite suite à la mise en échec de Lebeau. Mais c'est bien débrouillé, Claude, quand même. Hein? Oui, c'est bien débrouillé. Enfin, premier match dans la Ligue. Il faut dire que le Canadien n'a pas trop mis de pression non plus ce soir. Il n'y a pas de quoi faire mal paraître un défenseur. Lambert, c'est un choix de 89, ça? Oui. 106e au total. Il a joué à Swift Current, à l'endroit même où a évolué Joe Sakic. C'est surtout un défenseur offensif. Oui, hein? Oui. Voilà, Andrew Cassels. 7 minutes 55 à faire en troisième. 4-0 les Nordiques. Aucun but jusqu'à maintenant en troisième période. 25 lancés par Québec, 24 par Montréal. Andrew Cassels, belle passe à Daigneault, ensuite à Svoboda. La frappe a été bloquée par Volanen, ça lui a fait mal. Et il a dégagé son territoire jusqu'en zone des Canadiens. Des changements apportés par les deux entraîneurs. C'est Walter qui a été arrêté partiellement. Là, Raglan reprend en possession de la rondelle. Passe arrière à Joe Sakic. Sakic devant Svoboda. Il a voulu remettre à Raglan, mais belle pièce de jeu de Gilchrist qui a coupé la passe au dernier moment. Twist à Raglan. Passe qui va se retrouver sur le bâton de Peter Svoboda ou bien Mike Hoff qui bataille pour la possession du disque. Sakic, lui, est retenu par Leclerc. Ça permet cette longue passe à Contenant. Il s'en va seul. Il lance et Tocmac qui résiste encore. Et un deuxième lancer qui rate la cible, celui de Gilchrist. Sakic, la remise à la flanque, 3 contre 2. En retrait à Sakic. De l'autre côté, la passe a été coupée par Desjardins. Un beau jeu. Contre-attaque déclenchée par Contenant. Il est devant Twist. Lance, rate la cible. Gilchrist ensuite dans le coin. C'est pour Leclerc, mais intervention de Gusarov. Gusarov à Joe Sakic. 6 minutes 30. La fleur qui pénètre en zone adverse. On le sent, là, on veut alimenter Sakic à tout prix. Ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient immédiatement après cette pause. Je te dis, frère, il faisait beau. Ça mordait tellement, ça n'étonne pas. On a pris du poisson. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est des souvenirs à mon goût. Puis quand je veux tout savoir sur la pêche, je lis mon magazine Sentier Chasse Pêche. Comme toi, pêcheur, j'ai mes petits secrets, mais on ne peut pas tout savoir. Avec Sentier Chasse Pêche, j'augmente mes connaissances et je sais où aller pêcher. Le numéro d'avril est en vente dans tous les kiosques. Vous ne pouvez pas le manquer. Il y a une sacrée belle mouflée sur la couverture. Quand je lis mon magazine Sentier Chasse Pêche, c'est bien simple que je faisais ça, c'est moi qui mords. Alors, deux fois d'affilée, Courtnall est descendu du côté de Tony Twist. Il doit savoir des choses qui sont assez visibles. Twist n'est pas le plus mobile des défenseurs des Nordiques. Et on l'a vu, là, c'est Gilchrist qui va s'échapper. Et auparavant, la course de Courtnall qui distance Tony Twist rapidement. Et Tocmac, encore une fois, qui résiste bien. Il a bien suivi Courtnall. Il savait qu'il allait tenter de le déjouer à sa gauche. Et il a effectué l'arrêt. Canadien qui va chercher à se regrouper autour de Sylvain Lefebvre. Il est attendu par Matt Sundin. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, enfin qu'il n'y en avait pas du tout,
Il leur envoie les Nordiques à leur ligne bleue. De Sundin à Morin. Morin devant Schneider. Cherche un coéquipier de l'œil. C'est loin à gauche pour Finn. Et un bel arrêt de Racicco. Il a jeté un coup d'œil derrière lui. Voyant que la rondelle avait pu le déjouer, mais ce n'était pas le cas. Oui, il était certain que la rondelle venait de le déjouer. La longue passe du côté de Stephen Finn prend bien son temps. Et là, son lancer est bien dirigé, mais... Et là, Racicco, vous avez vu, il a jeté un coup d'œil derrière lui, mais la rondelle est restée coincée le long de sa jambière. Racicco qui a été solide après avoir été chancelant sur les deux premiers buts en première période. Souviens, en première, le lancer de Pearson, le lancer bas sur une mise au jeu. Et tout de suite après, ben, la rondelle déviée, une rondelle qui a été déviée en définitive, qui n'était pas facile, une trajectoire qui n'était pas facile à prévoir. Et c'est de cette façon que les Nordiques ont pris une avance de 2 à 0. C'est de là Dufresne qui remet en zone des Nordiques. Voilà Corson qui va se frotter à Vermette dans les coins. Corson là qui voit Dufresne tirer au but, c'est repoussé par Tognot. Retour, Sakic. La passe pour Nolan, ou comment il a fait pour saisir ce relais dans les airs. Très haut dans les airs à part ça. Nolan harcelé par Dufresne. Remise à Volanen. Volanen qui attire vers lui Strudlin. Ça passe de main libre jusqu'à l'arrivée de Donald Dufresne et... C'est Scroven ensuite. Oh, il a perdu le disque à Nolan. Ça kick dans le coin. Passe devant, c'est intercepté par Racicco lui-même. Et Corson remet du côté droit. Là, intervention de Finn qui maintient le disque en zone des Canadiens. 5 minutes exactement à faire en troisième période. 4 à 0, les Nordiques. Voilà Corson. Corson qui est arrêté par Boussaroff. Nolan maintenant vers Sakic. Sakic en territoire des Canadiens. Hors jeu. Le hockey à télévision 4 saisons vous revient dans un instant. Minute 49 à faire en troisième période. C'est 4 à 0 Québec. Remise en jeu au centre. Boussaroff, une belle poussée. Abandonne le disque involontairement. Carbono vient plaquer McNeil. Pearson s'empare du disque. Oh, un lancer qui a surpris Racicco. Ensuite, c'est McNeil qui travaillait d'arrache-pied. Et Svoboda parvient à remettre au centre. Là, c'est McPhee en compagnie de Courtnall. Mais beau repli de Boussaroff qui est venu enlever la rondelle aux Canadiens. Randy Valischek, rondelle qui est expédié jusqu'à derrière Racicco. Desjardins, la remise à Mike McPhee. McPhee remet au centre une courte passe à Ross Courtnall. Au Courtnall, une belle fin. Perd le disque ensuite. C'est poussé au centre pour Raglan. Raglan est rejoint et arrêté par Carbono. Sakic a voulu poursuivre l'attaque, mais dommage pour lui. La rondelle lui a échappé au tout dernier moment. Voilà Courtnall devant Volanen. Courtnall qui est en revenu d'un coéquipier, c'est McPhee ou Carbono de l'autre côté. Là, il y a une deuxième rondelle sur la patinoire. Coup de sifflet de l'arbitre. On veut donner une chance à Sakic, j'ai l'impression. Oui, on veut donner... on a tenté de lui donner une chance durant toute la soirée, mais Sakic s'est frotté à Guy Carbono en fin de semaine, en deux matchs. J'ai l'impression qu'il a réalisé toute l'expérience de Carbono, qu'il en a vu d'autres au cours de sa carrière. On se souvient de ses luttes épiques entre lui et Gretin Stachny dans les plus belles années des Nordiques. Carbono qui tenait son bout, qui frustrait très souvent Peter Stachny. Un joueur qui est très valeureux, très efficace pour le Canadien. C'est Lambert à la fleur vers Sakic. Sakic devant Schneider. C'est pas facile. La passe a touché un bâton et le Canadien qui reprend avec Chorsky. Il y a peut-être une belle opportunité pour lui. Il lance et Tognot encore qui résiste d'une superbe façon en passant. Voilà Chorsky toujours devant Volanen. La fleur reprend au centre. Passe à Joe Sakic vers Mike Hoff. Hors jeu, dommage. Avec 3 minutes et 11
à faire maintenant en troisième période. 4 à 0 les Nordiques. Ryan Walter, le vétéran du Canadien maintenant. Et on voit Chorsky, encore une autre descente. Une autre belle occasion pour le Canadien. Il descend hors l'aile, mais Toknot l'a bien joué là-dessus pour effectuer l'arrêt. Et ensuite, Volanin qui intervient rapidement. Longue passe qui va permettre aux joueurs du Canadien de filer jusqu'à Toknot. Il doit faire vite cependant. Et son lancer du revers est bloqué par Ron Toknot. Il a eu de beaux arrêts effectués en troisième période. Absolument. Et il reste là exactement 3 minutes à faire dans cette troisième période. Tu sais, Claude, que le 9 octobre prochain, le 9 octobre 1991, ça fait exactement 20 ans que Guy Lafleur a disputé son premier match dans l'uniforme du Canadien. Il a disputé son premier match non seulement dans l'uniforme du Canadien, mais dans la Ligue nationale contre les Rangers de New York. Ça fera 20 ans le 9 octobre 1991. Qui aurait dit à cette époque-là qu'il allait s'aligner pour cette équipe-là à un certain moment donné? Qui aurait dit aussi qu'il serait revenu au Québec? Matt Sundin qui s'amène dans l'enclave. Là, un tir du revers bloqué par Asico. Et on ne va pas plus loin. C'était un 28e lancé pour les Nordiques contre 27 pour le Canadien. Matt Sundin qui doit représenter son équipe au championnat du monde. Yakusarov aussi qui espère être appelé par Victor Tsukhanov. Il n'a pas encore eu signe de vie de la part de l'entraîneur de l'équipe de l'Armée rouge. Sundin, ça va lui donner encore plus d'expérience. Sundin veut participer aussi au tournoi de la Coupe Canada en septembre. Quand on pense qu'à sa première année, à 19 ans, il a marqué 23 buts cette année. 59 points. Et Dieu sait que le calendrier en Europe est moins chargé, beaucoup moins chargé que le calendrier en Amérique du Nord. Ouais. Forsen, avec un simple dégagement jusqu'au centre, le Canadien a abandonné toute lutte ou tout retour possible, en tout cas, avec 2 minutes 20. Stéphane Morin, on se contente là de jouer au chat et à la souris. Tout le monde se surveille étroitement. On va probablement revoir Guy Lafleur pour la dernière minute du match, possiblement. Enfin, dans tissu confort, c'est Chambers. Oh, bel arrêt de Toknot devant Strudlund. Il y a une mêlée ensuite devant le but. Svoboda, il y a une autre rondelle sur la patinoire. Une autre rondelle a été lancée sur la patinoire. Mais le but de Svoboda est bon. Ouais, de toute façon, si Svoboda, Claude, a marqué avec la mauvaise rondelle, ben... Non, c'est la bonne rondelle. C'est la bonne rondelle parce que le jeu se poursuivait devant Toknot. Au départ de Skrudlund, Toknot a fait 2 arrêts. Et là, encore une fois, on est incapable. Il n'y a que 5 joueurs des Nordiques autour de lui. Pas un seul est incapable de saisir cette rondelle qui a appartenu à Svoboda. Il a lancé bas et est parvenu à se frayer un chemin jusqu'au fond du but. On voit Skrudlund encore qui bataille avec Richer. Et la rondelle reste libre devant et c'est Svoboda qui trouve le fond du but. À son 4e de la saison, à 18 minutes 4, et c'est un jeu blanc qui s'évanouit pour Ron Toknot. 18 minutes 4 secondes, le but marqué par Peter Svoboda. 4-1, Mike McPhee remet à Peter Svoboda dans son territoire. Probablement le meilleur des siens avec Desjardins ce soir. Voilà, Stephen Finn avec une remise en territoire des Canadiens. Desjardins attendu par Sakic. Un peu plus d'une minute à la rencontre. McPhee qui vient s'installer derrière Asico avant de redonner le disque à Peter Svoboda. La passe à Courtnall. Remise dans le coin droit, c'est McPhee qui est là le premier. McPhee qui cherche un coéquipier de l'œil. McPhee toujours à Desjardins. Un tir beaucoup trop haut. Le retour appartient à Carbonneau. Sa passe est interceptée par Marc Vermette. Et Nolan ensuite qui a aperçu Stephen Finn. Finn, la passe à Vermette. Ensuite, vers Finn à nouveau. À Sakic dans le coin. Sakic contourne le but. La passe à Vermette. Un tir bloqué. Vermette a pris trop de temps là pour s'exécuter. 50 secondes. Voilà Courtnall. Courtnall qui s'amène
au centre. Lafleur vient sauter dans la mêlée avec 43 secondes à faire dans le match. On s'y attendait un peu, hein? Voilà pourquoi les gens applaudissent. C'est le véritable dernier tour de piste, là. Tout le monde se lève pour ces derniers instants de la carrière de Villafleur dans la Ligue nationale. À Sake et un bel arrêt de Racicot là-dessus. Voilà Mike Hoff à Sake. Il a raté d'autres belles chances de marquer. 10 secondes. Lafleur par la rampe. Là, dégagement qui est annulé, qui semblait annulé par de l'échec. Mais c'est là-dessus que se termine le match. Le dernier match de la saison régulière et celui de la carrière de Guy Lafleur. Oui, c'est la fin de la carrière, de cette prodigieuse carrière de Guy Lafleur. Il aura marqué son dernier but au Forum, où il a connu ses plus beaux moments dans la Ligue nationale pendant un peu plus de 13 ans. Et ici, avec les Nordiques, hein, c'est l'équipe qu'il vient d'épouser, pour ainsi dire, en vue d'une deuxième carrière. Et là, les joueurs du Canadien vont aller serrer la main à Guy Lafleur. On va aller saluer Guy Lafleur, tous les joueurs du Canadien, spontanément. Voilà un geste sportif, certes fort apprécié. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance de côtoyer, qui sont avec le Canadien, mais il y en a d'autres. Ben voilà un, McPhee, Goodland, des gars avec qui il a bataillé. Shane Corson, Ryan Walter aussi, qui a été un des siens pendant plusieurs saisons. Gilchrist, Jean Leclerc, un nouveau venu, qui n'a pas eu la chance, mais qui vient... qui a eu quand même le plaisir, le privilège de vivre des moments intenses au cours de ce dernier week-end. Guy Carbonneau qui a assisté à la cérémonie pendant presque durant tout le temps. Et voilà Pat Burns. Pat Burns qui est venu saluer Guy Lafleur. Et certes, Lafleur lui souhaite bonne chance aux Canadiens dans les séries éliminatoires. Un geste sportif fort apprécié. Et Lafleur qui remet sa dernière rondelle, son dernier bâton au président des Nordiques, Marcel Aubu. Si vous le revoir, j'ai l'impression qu'il va avoir l'occasion de le reprendre dans le bureau parce que Lafleur va passer plusieurs heures dans le bureau des Nordiques après une bonne vacance d'un mois au cours du mois d'avril. Alors, c'est là-dessus qu'on va se laisser et on va revenir avec le choix des étoiles et aussi d'autres commentaires. Et en troisième période, eh bien, les Canadiens ont lancé 14 fois. Svoboda prive Ron Tugnutt d'un jeu blanc. Et Joe Sakic a été capable d'atteindre son objectif malgré les 10 lancers des Nordiques en troisième période. Au total, 29 lancers de chaque côté. Alors ne quittez pas dans un instant, pendant qu'on voit ces belles images du vestiaire des Nordiques. Dans un instant donc, le choix des deux étoiles. Pensez-y avant de renouveler votre bail. Pour aussi peu que 137 $ par semaine, vous pouvez devenir propriétaire d'une maison de qualité incluant le garage ou 144 $ par semaine avec garage et foyer. Si vous avez un revenu familial de 30 000 $ et plus, ce plan s'adresse à vous. Imaginez, votre rêve peut devenir réalité. Avec accès à la propriété, fini les augmentations de loyer pour les 3 prochaines années. Communiquez avec nos conseillers parce qu'à seulement 137 ou 144 $ par semaine, c'est le rêve devenu réalité. Accès à la propriété. 434-0054. Faites vite! Vous avez manqué les meilleurs gags de Marcel Béliveau? Je vous parle! Ou vous voulez tout simplement revoir ces invités qui ont mordu à l'hameçon? Les meilleurs moments de surprise, surprise. Dimanche 7 avril, 20h. 29-3-2, preuve d'épeudage, piste 4B. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les chaussures Brooks et leur système propulsion. Petit à petit, sans faire de bruit, depuis une vingtaine d'années, un certain service de courrier a tranquillement fait son chemin, desservant toute destination au Québec, en Ontario et dans les centres financiers de l'Ouest, offrant un service rapide et efficace à des tarifs parmi les plus bas. Juste au cas où vous n'auriez pas remarqué, il s'agit de UPS. Pour nous, l'efficacité, c'est une façon de penser.
Alors, voici donc les deux étoiles au kiff du match de ce soir. D'abord, pour les Nordiques de Québec, Stéphane Morin, qui a marqué deux buts ce soir. Et pour le Canadien de Montréal, Ross Courtnall. Les deux étoiles du match de ce soir vont recevoir un veston sport Palazzo Moda, fait par les vêtements Cooper. En direct du Colisée à Québec, vous écoutez le hockey des Nordiques à l'antenne de télévision 4 saisons. Après trois mois de succès à Paris, Courte Manche est enfin de retour. Courte Manche, en supplémentaire au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, du 30 avril au 5 mai. Une marque finale à Québec, les Nordiques qui l'emportent par la marque de 4 à 1. Et le billet gagnant dans le cadre du concours Le Jeu du match Chrysler est celui de M. Roméo Benoît de Brossard, qui a retenu le nom du gardien Ron Tognut à la suite de son incroyable performance du 21 mars dernier à Boston contre les Bruins. M. Roméo Benoît de Brossard se mérite donc un voyage pour deux personnes pour assister à deux parties de la finale pour la Coupe Stanley. Le prix inclut trois nuits d'hébergement, le transport aérien et 300 $ canadiens d'argent de poche, ainsi que des billets pour deux rencontres de la finale de la Coupe Stanley. Encore une fois, félicitations, M. Benoît, et à toutes les personnes qui ont tenté leur chance au concours Le Jeu du match Chrysler. Avec cette victoire, eh bien, les Nordiques terminent donc la saison avec un bilan de 16 victoires, 50 défaites et 14 matchs nuls pour un total de 46 points, 15 de plus que la saison précédente. Voyons maintenant ce qui se passait ce soir, car le championnat de la saison régulière était à la portée des Blackhawks et des Blues de Saint-Louis. À Chicago, en début de troisième période, Greg Gilbert donne une avance de 2 buts aux Hawks. De 2 au filet, il tire du revers et inscrit son 10e. Puis, 15 secondes plus tard, un autre plombier des Hawks trouve le fond du filet, c'est Mike Hudson, en sautant sur le retour du lancer de Doug Wilson. Il ne reste que quelques secondes à faire dans la partie, c'est 5 à 1, Chicago. Donc, voici un aperçu des séries éliminatoires 4 de 7 qui se mettront en branle mercredi soir dans la division Adams. Les Whalers contre les Bruins, alors que les Sabres, eux, affronteront le Canadien. Du côté de la division Patrick, les Devils affronteront les Pingouins de Pittsburgh et l'affrontement entre les Rangers et les Capitals commencera au Madison Square Garden. L'action dans la conférence Prince de Galles débute jeudi soir. Dans la division Norris, les champions du calendrier régulier, les Blackhawks de Chicago, accueilleront les North Stars du Minnesota, alors que les Red Wings se mesureront aux Blues de Saint-Louis. Le tout sera confirmé dans quelques secondes. Et enfin, dans la division Smite, les Canucks se frotteront aux Kings et on assistera à un autre épisode de la guerre de l'Alberta entre les Oilers et les Flames. Sport Plus, rappelons-le, vous présentera un résumé complet de cette dernière journée du calendrier régulier dans la Ligue nationale, immédiatement après la dernière édition du Grand Journal. Le hockey à télévision 4 saisons se poursuit dans un instant. C'est vrai que la Honda Accord est toute une voiture. Pour la concurrencer, nous avons donc construit la Dodge Spirit et la Plymouth Acclaim. Mais il y a encore des gens qui disent que ce ne sont pas tout à fait des Honda. Alors supposons que nous enlevions le moteur V6 pour le remplacer par un moteur 4 cylindres. Supposons que nous enlevions le surplus d'espace pour les passagers et le coussin gonflable offert en option. Et supposons que nous ajoutions environ 2500 $ au prix. Alors elles seraient vraiment comme des Honda. Chrysler. Juste un essai et vous serez convaincu. ま、あなたのメガネ、ひどい傷ね。ニコンのレンズならもっと長持ちするわよ。ニコンのレンズはコーティング加工されているの。ほら、ね、すごくよく見えるでしょ。反射を抑える特殊コーティングもされているの。それにとっても軽いし、比べてみてこの薄さ。今度メガネを作るときはニコンのコーティングレンズ。ニコン、le langage de la qualité。ほら、あなたのメガネ。
Alors, les Nordiques qui l'emportent 4-0 devant le Canadien de Montréal. Les Nordiques qui terminent donc cette saison régulière avec 15 points de plus que la saison passée. C'est déjà là un élément positif. Et bien sûr, c'est de mise en cette fin du calendrier régulier, Claude, de faire le bilan de ce qui s'est passé, le post-mortem de la saison des Nordiques. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que d'abord, on mérite un prix consolation. Je nous donne un prix consolation au producteur François Carignan, au réalisateur Pierre Gagnon, Gilbert Vincent, toi-même, enfin, tous les membres de l'équipe, parce que au cours des trois dernières années, ça a été difficile sur la patinoire. Imaginez que ça l'a été aussi sur la passerelle. À peine une douzaine de victoires en trois ans à la télévision. C'est difficile de vendre un produit et on sait ce que peuvent souffrir Dave Chambers, Pierre Pagé et les autres, et ceux qui étaient là avant, Michel Bergeron. Et encore cette année, ça a été extrêmement pénible. Si on se reporte au début de la saison avec des vétérans comme Mario Marois, Michel Petit, Joe Cirilla et Claude Loisel, ces deux-là n'étaient pas satisfaits de leur sort, voulaient absolument changer d'équipe. Et on est obligé de faire beaucoup, beaucoup de changements chez les Nordiques encore, pendant que Chambers acceptait le mouvement qui s'opérait autour de lui. Et naturellement, c'était facile de prétendre que les Nordiques travaillaient en fonction d'Eric Lindros. Ils ont le premier choix. Mais au terme d'une longue saison qui a été extrêmement pénible et pour une troisième année d'affilée en 21e place, quatrième année d'affilée en dehors des séries éliminatoires, et les Québécois maintenant doivent savoir ce que c'est que de ne pas participer aux séries. Claude, est-ce que c'est trop optimiste? Le président John Ziegler disait ce soir au cours d'une conférence de presse que si les Nordiques, si la tendance se maintient, les Nordiques pourraient devenir le club de la prochaine décennie. Est-ce que c'est parler avec beaucoup d'optimisme, ça, ou trop? Bien, je pense bien qu'à ce stade, maintenant, il faut parler avec beaucoup d'optimisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde est conscient à travers la Ligue, tous ceux qui voient ce qui se passe à Québec, ils sont conscients que les Nordiques sont en bonne voie de devenir une équipe intéressante avec Owen Nolan, Joe Sakic, Matt Sundin. Il y a aussi Kaminsky, dont on parle beaucoup, qui s'approche de plus en plus de Québec. Il y a Eric Lindros qui ne sera pas prêt l'an prochain, mais qui éventuellement deviendra un bon joueur. Il y a Curtis Lechichin, Brian Fogarty, Stéphane Fizet. Enfin, on donne des noms d'espoir, de joueurs qui n'ont pas encore prouvé beaucoup de choses, à l'exception de Sakic. Ils n'ont pas encore prouvé beaucoup de choses dans la Ligue nationale, mais au moins, il y a un embryon, là. Il y a quelque chose avec lequel on peut travailler et bâtir une équipe intéressante. Pierre Pagé est conscient d'une chose, c'est qu'il faut qu'il ajoute encore beaucoup de vitesse à son équipe, encore de la robustesse et aussi se donner de l'expérience parce qu'on a éliminé les vétérans, mais il faut en trouver d'autres maintenant pour assurer une stabilité, pour donner de la confiance aux jeunes et leur permettre justement de gravir les prochains échelons et de se développer normalement. Merci Claude, un bon été. Toi aussi. Et merci à vous d'avoir été là. On cède de l'antenne là à Charles Perrault. Donc, victoire pour les Nordiques de Québec, 4-1 face aux Canadiens de Montréal. Stéphane Morin qui a marqué deux autres buts ce soir, ça lui en donne 13 au cours de la campagne. Et les Nordiques qui terminent par contre dernier au classement de la division Adams avec un total de 46 points. Alors, c'est là-dessus que se termine cette saison des Nordiques. J'espère que nos reportages vous ont plu tout au long de la saison. Et on se donne rendez-vous en octobre prochain. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Charles Perrault du Colisée de Québec qui vous dit au revoir et à l'automne prochain. Le hockey des Nordiques. À télévision, 4 saisons. Une présentation de O'Keeffe, la bière préférée des Québécois. Et de Ultramar. On n'a pas fini de vous en donner.
l'univers du meuble.